thank you Et hey, bonsoir tout le monde, comment ça va ce soir En forme. Salut Dorothée <laughs> Direct Zeno, il arrive, vitesse il les nouveaux sons. <laughs> il a trop de points de chaîne en fait. Je, je vais les augmenter. Je crois que t'en as trop Zeno. <laughs> Ou tu passes trop de temps sur le live, c'est peut-être ça. <laughs> ah mais c'est cool Dorothe avec ouais, soi-là pour euh, du coup en euh, live. Et toute la soirée peut-être. Salut Flo tout seul, salut euh... Oula, ça va trop vite, ça va trop vite, ça, ça speed, ça speed. Euh... Donc attendez, que je, que je ne rate personne, donc Asila, salut à toi, et salut Julien et uh, Kenzouz, salut à toi, un abonné, ça fait plaisir, comme Julien aussi, hein, qui est en plus euh, sur le Patreon. Salut Thomas, salut à toi qui a rejoint le Patreon il n'y a pas longtemps justement. Et euh, voilà, c'est Jimusashi, ouais, je reconnais plein de têtes, ça fait plaisir. Là ouais, je vois que vous êtes en train de tout tester les nouveaux sons. J'ai même pas eu le temps de vous les présenter que direct, vous les avez balancés. Quoi. <laughs> Merci Boris pour le troisième mois d'abonnement. Ça, ça fait plaisir. Salut à toi. Donc c'est très cool. Salut Nico Nico qui a rejoint le Patreon aussi d'ailleurs, c'est la, la toute dernière Patreon. Hein. Donc merci à toi. Merci aux tout derniers qui ont rejoint, qui ne sont pas affichés là, mais qui est affiché au tout début. Donc euh, voilà. Non, cette fois, le micro, j'y ai pensé. J'avais le doigt sur le bouton pour ne, pour ça. Parce qu'en fait, si je laisse le micro allumé, euh, le truc c'est que vous m'entendez pendant qu'elle qu générique. Et je peux pas le couper euh, juste pour ça. Alors, euh, je dis rien d'habitude, mais on ne sait jamais quoi. Donc euh, voilà, du coup je préfère le couper. Donc voilà. Euh, oui, t'as les points illimités, ouais. <laughs> donc voilà, non, ça fait plaisir. Merci d'être là en tout cas. Euh, c'est cool, ouais, je vois que vous êtes déjà 19, ça fait, euh, euh, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux à chaque fois, donc c'est cool, c'est super cool. Donc voilà, salut Maximatoz, bonsoir à toi. Donc, euh, donc voilà, donc vous avez pu voir, il y a quelques petits nouveaux sons. Alors il y a trois nouveaux sons hein, que j'ai rajouté parce que je peux en mettre cinq. Je pense que je peux en mettre plus mais il faudrait que je passe par une autre plateforme. Mais là sur Sound Alert, euh, je peux en mettre cinq. Mais voilà. Salut euh, Olaris bienvenue à toi. En plus c'est la première fois que tu viens, donc euh, euh, en espérant que tu, tu, euh, tu prennes plaisir. Je ne sais pas si tu es euh, un ou inhabitué, mais en tout cas, bienvenue à toi. Et euh, j'y prémus, je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir, mais je... Je redis bonsoir par sécurité comme ça c'est bon et je vous montre rapidement les nouveaux sons hein, euh, que j'ai rajouté vous pouvez vous amuser et j'ai mis des, des des comment dire des, des points de chaîne différents alors vous connaissez les classiques kamehameha hein, je vais le je vais le faire jouer pour que vous le voyez voilà le classique euh, ensuite on a le classique ultra instinct qu'on a depuis quelques temps ici voilà un petit moment épique euh, pendant le live ça fait toujours plaisir. Et après, j'en ai rajouté donc trois autres. Donc vous l'avez vu il y a le attention le hola hola hola. Il est cool celui-là. Il est cool. Et ça c'était Matojora qui me l'avait euh, proposé. Donc du coup, je l'ai rajouté. Ah mais c'est cool l'habitué de l'ombre. Et eh ça fait plaisir. Il y en a plein, je sais qu'il y en a plein qui regardent euh, sans, euh, comment dire, sans participer sur le chat tout ça. Donc je, je les remercie aussi de, de me suivre euh, à chaque fois et d'être fidèle aussi. Euh, et ensuite, donc euh, voilà, il y a le Oh my god. Oh my god Voilà de Joseph Joestar, cultissime. Donc voilà, celui-là est très très cool. Et le dernier, le dernier, c'est un. Ah, attendez, je... il y a pas mal de notifications là qui sont arrivées. Donc, euh, merci euh, du coup, euh, de me suivre... Redou, pardon, de me suivre. C'est cool. Et euh, hop là, je vois si j'ai pas oublié quelqu'un. Parce que des fois, le chat, il y a beaucoup d'infos. Et euh, il se peut que j'ai raté, euh, raté une, une info. Et le dernier, le dernier que j'ai rajouté pour un petit peu plus. Parce que celui-là, il est. Il est pour les moments de, un peu malaisants. Il hein, bah, y, y en a souvent des moments malaisants des fois dans les, dans les trucs. Donc du coup, attention, le dernier. <laughs> J'espère que vous l'appréciez celui-ci. <laughs> je suis retombé sur ce GIF. Je me suis dit, bah, il faut, il faut. <laughs> Alors je vais juste euh, relancer le, le, le truc d'alerte qui, qui a buggé en même temps. Ah ça y est, il est parti, c'est bon. Donc voilà, je vous le remets une deuxième fois pour que vous puissiez bien l'apprécier. Hein, comme ça. Ouais. Alors je l'ai mis à 1500. Hein, du coup, 1500 points. <laughs> Moi j'adore. <laughs> Donc voilà, vous savez ce que vous pouvez dépenser comme point. Euh, du coup maintenant, voilà, là j'ai les cinq sons. Je pense que c'est plutôt euh, pas mal. On va pouvoir s'amuser maintenant euh, avec ça. Salut euh, Kinukuman bienvenue à toi. Donc voilà, c'est, euh, je me suis amusé à, à mettre ça là, dans, dans la semaine avec les, euh, avec les, les euh, comment dire, euh, euh, les, les, les petits gifs qui vont avec. Donc euh, donc voilà. Euh, Matojora, salut à toi, bienvenue, euh, je crois que tu es passé juste avant, j'ai montré tous les nouveaux gifs que j'ai mis, notamment deux que tu avais proposés. Donc tu les découvriras pendant la soirée du coup, ça sera ta surprise si tu n'étais pas là juste avant, mais je viens de montrer les trois nouveaux, euh, trois nouveaux sons et gifs que, qui apparaissent. Salut Star Academy, bienvenue Allez, je propose qu'on ne traîne pas trop, on va, on va commencer la soirée parce que des explorations de mangate que j'ai calculées, on, on va en faire à peu près entre 20 et 25 pour, pour tout finir. Et je pense que voilà, il y en a beaucoup. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, il faut, je ne vais pas accélérer hein, parce qu'on a le temps, le but c'est prendre le temps de regarder les œuvres et compagnie, mais euh, voilà, euh, il ne faut pas non plus trop ralentir parce que sinon on peut y passer pour 5 euh, ans, je, je, à force vous allez, être, euh, vous allez euh, en avoir marre. <laughs> donc voilà, mais on avance, on avance. Alors. La dernière fois, on avait commencé euh, la bibliothèque dans laquelle il y a effectivement des lézards noirs, parce qu'à chaque fois, on me demande, alors, euh, c'est les lézards noirs, ça y est, c'est bon, on y va. J'ai jamais dit qu'on commençait par les lézards noirs, les gars. Là, vous vous êtes emballés tous. Donc, euh, non, non, c'est la bibliothèque des lézards noirs, et qui euh, sera plus tard. Et d'ailleurs, du coup, sur le Discord, on m'a demandé pour la 15e fois, alors j'ai fait une image. Voilà, j'ai fait une image que je vais vous partager. Alors, je ne sais pas si c'est le bon écran. Non. Alors un petit instant, je change d'écran. Euh, Celui-ci. Voilà. Euh, voilà, j'ai fait une image. La dernière fois, on a fait la fin de la 6 parce qu'il restait quelques, quelques livres. Et euh, il nous. on a fait on a fait ça en bas. Là, j'ai repris une photo et au rythme où on va, on devrait faire, je pense, entre 2 et 3 explorations, je ne sais pas. D'accord Et si tout se passe bien, très certainement à la prochaine, à la 9, on devrait faire du Lézard Noir. Si ça se passe mal, ça sera à la 10. Voilà. Donc ça sera ça à peu près le rythme. Comme ça, là, vous avez un truc visuel. Donc dites-vous qu'à chaque fois, on fait entre 2 et 3 rangées ça dépend du nombre de titres. Alors là, il y a beaucoup de titres, par exemple. Et le Lézard Noir, il y a beaucoup de titres aussi. Donc on risque de passer un moment dessus. Donc voilà. Ils ne seront, seront pas mangés par les, les, les poissons d'argent, Boris. Rassure-toi. Pourquoi Parce qu'ils sont tous protégés dans des plastiques. Et oui, la technique. La technique. Alors, euh, donc, je repasse ici. Donc, très bien. Euh, du coup. Euh, alors, alors, alors. On a. On va retourner sur la magnifique. La magnifique chaîne YouTube. On va aller dans l'exploration des mangatech. Alors, je suis en train de l'ouvrir hein, tranquillement. L'exploration des mangatech. Ici, on l'ouvre en grand. Et on était donc à la 6. Ou non, c'est combien La deuxième. C'est la deuxième. Voilà, on avait fait ça. Je vous repartage l'écran. De mémoire, on s'était arrêté. Hop. Voilà. De mémoire, on s'était arrêté au Thermae Romae, hein, c'est ça Je crois. Hein Dites-moi le dans le chat. Sinon il faut que je rouvre l'ancienne, j'ai la flemme. On s'était arrêté là, je crois, on avait fini la rangée, puis on avait dit ah, c'est bon, on arrête. On n'avait pas attaqué au-dessus encore les mieilles. Sinon je vais vérifier, hein. Je vais être obligé de vérifier si vous répondez pas. Euh, des mémoires, on n'était pas rivaux les Arnoirs. Merci Boris. Ça, ça, là, tu m'aides. <laughs> Thermae Romae, on l'avait fait. Ah, je ne peux pas compter sur vous là. Moi, je pensais que vous suiviez et tout, et en fait, vous suiviez, vous suivez que dalle quoi. Thermae Romae, voilà, on s'est arrêté à Thermae Romae. Oh, il est là, il est là. Incroyable. Allez, allez, on continue. Alors, on va continuer. Et normalement, on va bien suivre là pour être sûr de ne pas oublier. Voilà. Donc on va parler un petit peu de NIEI aujourd'hui. NIEI, c'est connu. Là, c'est des mangas quand même qui sont... Euh, si on regarde un petit peu le programme du soir, là, c'est des mangas qui sont beaucoup plus connus. Hein. On a du, du NIEI, on a du, du EVA, on a du, euh, du Ken. Donc euh, voilà, on a des choses euh, qui sont plus connues, mais c'est bien. C'est bien des fois d'être en terrain connu aussi. Il n'y a, euh, a pas que les mangas euh, ultra de niche, quoi. J'en ai beaucoup, j'ai quasiment tout ce qui est sorti en France, mais il mais n'y a pas que ça. Allez, euh, vous êtes prêts? C'est bon? On y va? On y va? C'est chaud? Allez, c'est parti. Alors. On va prendre la barre allez on va parler un peu de niaille aujourd'hui puisque là on va faire une spéciale niaille ah il a manqué un de niaille il a manqué qui est là bas alors laissez moi le trouver il est là voilà il est là. J'avais dit que quand j'aurai un auteur qui fait euh, euh, à chaque fois qui euh, auquel on parle, il, il est dans la partie BD là, je le prends. Donc, euh, donc voilou. Euh... Oui, Boris. Oui, écoutez bien à chaque fois que je dis quelque chose parce que maintenant à chaque fois que je vous dis un petit euh, une, une petite partie de ma vie. Hein, eh bien, il faut le noter sur un papier parce que ça pourrait ressortir l'année prochaine pour le quiz des trois ans. Voilà, notez bien à chaque fois tout ce que je dis. Hein, ouvrez un fichier Excel, notez. notez. Après, c'est interro et euh, je serai intransigeant pour les trois ans. Merci, euh, Enilie. <laughs> Merci beaucoup. Alors, on y va. Alors, Niaï, je propose qu'on pourrait euh, en parler euh, peut-être. Ben, on va commencer par. Euh... On va commencer euh, pas dans l'ordre là, on va les commencer par dans l'ordre où je les ai connus. Ça sera peut-être mieux. Ça sera peut-être mieux. Bon, qui euh, n'a pas lu Nyei Ok. Ah, ben superbe. Voilà. Zeno, toi, t'as pas lu encore euh, encore ça. Alors, en plus, c'est bien parce que Glénat les ressort dans une grande édition. Euh, ou qui met vraiment les planches euh, en valeur, donc c'est l'occasion. Alors, Niai, c'est quelqu'un qui est arrivé en France euh, assez tôt, hein. c'est un des, des premiers mangas qui ont été euh, publiés. Si je regarde sur Manga News, par exemple, euh, si je tape Blam, alors, hop, toc, toc, toc. Si je tape Blam, euh, je fais édition. Voilà, la première édition, sachant que la première édition, Mars 2000, vous voyez, c'est vieux. Hein. C'est Mars 2000, t'es sûr que c'est pas avant Non, moi, ouais, c'est ça, c'est ça. Mars 2000, sachant que la première édition, elle n'était pas comme ça. Euh, la première édition, c'était pas une cover euh, euh, qui s'enlève. Hein, c'était euh, euh, la vieille édition, on va voir si on la trouve, Blame Glenna. Ça allait dans leur magnifique... Euh, voilà, c'était ça la première édition. C'était un, un, un truc euh, carton euh, carton sans jaquette réversible. Et euh, c'était ça. Et après, ils les ont ressortis euh, dans ce format-là. Voilà, on voit quand même la différence. Hein, c'est un petit peu plus sympa. Les couvertures, ils les avaient toutes euh, retravaillées comme ça. Euh, donc voilà, euh, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que je les avais euh, achetées. J'avais tout en édition euh, classique. Et quand en 2003, 4, je sais plus quand ils ont fait ça, euh, avait décidé de, de, de passer aux jaquettes euh, qui, euh, qui s'enlèvent. Et ben, j'ai revendu toutes mes séries euh, à l'ancienne là pour racheter les séries avec les jaquettes pour que ce soit uniforme dans la collection. Donc voilà, ça va, hein, ça me gêne assez. Euh, donc voilà, alors du coup. Faut... <laughs> Boris qui répond. Enélie, oui, je, je, je suis un pro fervent du, du numérique. Effectivement. Euh, donc du coup, à l'époque où c'est paru, Blame, euh, personnellement, je n'avais pas... Euh, J'avais pas... J'ai découvert ça avec un ami. Hein, c'est un ami qui était fan de manga et euh, du coup je l'ai découvert avec ça et moi clairement j'avais pas du tout accroché euh, à l'univers et comme je, vous dis, comme je vous ai dit euh, ou j'ai déjà pu dire dans des vidéos j'étais euh, un public très 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 shonen il fallait rester un petit peu dans les classiques je sortais pas du tout de ma zone de confort et dès que ça sortait de ma zone de confort je commençais déjà à être un petit peu moins, euh, un peu moins euh, euh, à fond dedans je lisais mais voilà, je voyais mon pote qui était mais à fond, comme il était à fond dans le gum. Moi, j'étais pas trois fonds dans le gum non plus. Il était à fond au taquet dessus. Donc, moi, ben, je disais pas grand chose. Il dit Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais je ne comprenais rien en fait. Je comprenais rien, je comprenais même pas l'intérêt de, de, de Blame à, à l'époque en tout cas. Alors, je, ça fait des années, des années que je ne l'ai pas relu, mais c'est vraiment un des mangas que j'ai envie de relire. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas relu euh, Blame. Et euh, du coup, euh, ce qu'il y a, c'est que ben, je. je fait la collection, je les ai gardés, j'ai continué en me disant ben, je lirai plus tard, mais, mais j'ai plus appris à l'aimer avec le temps cette série. Donc c'est très particulier. Donc c'est un auteur, à la base, il avait fait des études d'architecture et ça va se ressentir dedans. Alors il faut savoir que Blame, hop là, l'univers, euh, c'était vraiment projeté dans un univers euh, sans clé. Hein, c'est la particularité de, de Blame, euh, où tu vas découvrir au fur et à mesure euh, l'univers mais il y a rien qui est vraiment expliqué on va suivre Killy le personnage principal avec son super gun on va le suivre il cherche une euh, il cherche un truc un terminal génétique je crois quelque chose comme ça c'est les souvenirs j'en ai hein, pour dire ça m'avait marqué quand même mais j'ai plus euh, tout le, tout en tête il cherche un terminal génétique et euh, il va euh, il balade dans une sorte de bâtiment euh, interminable euh, limite à l'infini et euh, il est attaqué par des sortes de sauvegardes, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans l'univers, c'est assez, euh, assez gore, assez euh, glauque dans, dans tout ça. Et le plaisir, en fait, vraiment, c'est de, de lire Blame, mais de ne pas chercher réellement euh, un scénario euh, hyper complexe. Euh, il voilà, n'y a pas vraiment de fin dans le manga, en fait. Hein. On suit quelqu'un dans euh, un bâtiment euh, qui, qui a une taille infinie. Et on essaye de suivre un petit peu sa, sa, sa quête, on va dire, euh, ce qu'il cherche euh, là-dedans. Donc là-dessus, là-dessus, euh, moi, aujourd'hui, voilà, c'est un, de, un des mangas que j'affectionne, alors qu'en fait, pendant très très longtemps, je l'avais dans ma collection et, et je ne savais pas trop quoi en penser. Mais j'étais pas du tout mature en fait pour lire ce genre d'œuvre et j'avais eu du mal à comprendre en fait ce que c'était quoi. Donc les planches effectivement sont, sont super belles dedans et si vous achetez la nouvelle édition vous allez encore plus apprécier euh, les nouvelles planches parce que là c'est une vieille édition. Perso quand je vais la relire, je vais la relire sur ma tablette. Hein. Je ne vais même pas la relire avec cette édition. Donc euh, voilà, je vais vraiment profiter des dessins et en plus euh, euh, je vais euh, l'aurai en grand format. Parce que c'est vrai qu'en grand format c'est quand même très très cool. Euh, voilà, et je crois que vers le volume 6 ou 7, à moment, ça, ça se concentre même plus sur notre personnage. Je ne vais pas vous le montrer pour ne pas vous spoiler, mais, mais euh, voilà. Et donc, c'est une expérience, en fait, euh, Blame. Mais comme cet auteur, Nieh, c'est beaucoup d'expérience, et on va le voir au fur et à mesure des œuvres, puisque là, on va voir toutes les œuvres de Nieh. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui mélange beaucoup l'organique euh, avec des, des bâtiments euh, très, euh, très froids, mais. Euh, mais, euh, voilà, gigantesque. Et ça donne, un, ça donne un univers où on a envie, en fait, de comprendre, d'aller de, de, euh, dedans. Il y, a des, il y a eu des vidéos YouTube, justement, qui expliquaient euh, les différentes couches de l'univers, euh, de, de tout ça, donc il y a quand même quelque chose que l'on peut comprendre, mais il faut s'accrocher pour faire les liens. Il, il faut le lire plusieurs fois et vraiment décrypter pour, pour ça. Euh, donc, voilà. Ah, ben, je vois, euh, Asila, toi aussi... Euh, Hop là. Euh, toi, tu le, voilà, tu le faisais ça. Et il y a effectivement une excellente vidéo d'Al236 sur Blame. Euh, tu, fais, tu fais très bien de le mentionner, hein, Mato Jura, Je vous conseille absolument de voir ça. Comme sa vidéo sur Berserk. Ou euh, même, il a pu faire des vidéos sur des jeux vidéo, des choses comme ça. N'hésitez pas. C'est vraiment euh, vraiment excellent. Donc, Blame, je peux que vous conseiller de le découvrir. Par contre, voilà. Laissez-vous transporter par l'univers. Laissez-vous le... Euh, comment dire euh, Vous emporter par le gigantisme des situations, par, euh, par le design de des monstres, des personnages que Nia a pu créer. Voilà. Que Niaï a pu créer. Et en fait, il faut pas chercher autre chose. C'est un voyage, en fait. C'est un voyage. On n'en voit pas la fin. Il n'y a pas le bout du, du tunnel. Quoi. On ne sait pas ce qui se passe à la fin puisque l'histoire le, le, s'arrête là. Et en fait, on... On a vraiment l'impression qu'il a construit son rester au fur et à mesure, mais l'univers est tellement fou que tout est cohérent. Ça, ça reste une cohérence parce que y a, y a, y a, y a, il y a pas de limite dans la création de, dans la création de ces personnages. Donc là, c'est une vieille édition parce que vous voyez toutes les onomatopées sont traduites. Hein, c'est vraiment les éditions de l'époque. Celui-ci, il a été publié euh, dépôt légal octobre 2000. Vous voyez, donc euh, c'était euh, c'est vraiment l'an 2000 quoi. Voilà, vous voyez des planches comme ça, ça donne vraiment, euh, vraiment envie. quoi. Donc voilà, donc intéressez-vous euh, à Blame. Je ne peux pas trop trop vous en montrer parce que je pense qu'il faut. Euh, il faut... Ah, t'es, euh, j'ai jamais, jamais fait attention, il y avait écrit ça. Il y a marqué euh, Adventure Seeker Killy in the Cyber euh, Dungeon Quest. Voilà, on qu a l'impression qu'il a fait un peu un mode, un mode jeu de rôle, quoi. Et j'avais pu justement voir des planches de Blame euh, à, à Angoulême, et c'était juste euh, incroyablement magnifique. Et j'ai prévu, euh, il faudrait que je le fasse, euh, ça serait bien, rappelez-le rappelez moi, ça serait bien que cet été, je vous fasse une rétro sur euh, euh, un Angoulême que j'ai fait euh, dans le passé, un peu comme j'avais pu faire... Euh, dans, euh, pour euh, pour l'année dernière, je vais vous faire la même cette année, hein, bien sûr. Mais rappelez-moi, je peux vous faire en rétro d'année de, de, passée et ça pourrait être aussi euh, très cool de, de faire ça. Et je pourrais vous montrer l'expo Blame, enfin euh, l'expo Niay qui avait eu. Et euh, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ça sera l'occasion de revenir en plus dessus, euh, rechoper un peu les photos, tout ça, tout ce que j'avais fait. Si ça vous tente, euh, vous me le rappelez, on fait ça cet été. Je pense que ça peut être bien euh, cet été de faire ça. Euh, histoire d'espacer hein, avec l'autre avec, euh, festival. Euh, donc voilà, donc Blame, je ne monte pas plus, peut-être si je vous montrais le volume 6 ou 7. à chaque fois les couvertures, euh, les couvertures sont incroyables. Hop là. Ouais, je crois que vous voyez oui, que, des, que des paysages comme ça, euh, des décors comme ça. À un moment il y a un nouveau perso là comme ça qui arrive. C'est pas plus compréhensible avec ce nouveau perso. Alors ça parle très peu aussi. Hein. Vous voyez, c'est très très visuel. Hein. Donc voilà pour Blame. Je ne sais pas si ça vous donne envie de le lire. En tout cas, c'est très cryptique. Dites-vous ça. Hein. C'est hyper cryptique, c'est voulu. Mais euh, ce côté-là euh, rend justement euh, le... Le... Comment dire euh, Rend justement le le sel de la série rien n'est expliqué et c'est pas le but donc euh, le but c'est se, se faire transporter dans un univers euh, fou quoi salut Mathilde hop là Mathilde hein, qui, a, qui a refait le design du, euh, du live hein. voilà j'ai dit euh, mois de janvier c'est c'est le mois Mathilde hein, donc euh, merci beaucoup encore Mathilde euh, donc voilà. En tout cas, euh, je vous invite à découvrir ça. Et il faut savoir que l'auteur, alors euh, blame, euh, faut savoir qu'en fait c'est une erreur d'écriture parce que il voulait l'appeler blam, euh, blam, comme le bruit d'un flingue en fait qui tire. Sauf que les Japonais euh, et l'anglais euh, c'est pas trop ça à chaque fois. Il hein, y a beaucoup de trucs euh, comme ça. Et c'est pour ça que c'est pas blame, et blam. Hein, c'est l'auteur lui-même qui le dit, c'est blam. Voilà, donc si vous voulez vous la péter, vous faites, vous faites blâme, ok. Si vous voulez continuer un bon français qui a connu euh, euh, Blame dans les années 2000, et bien vous dites blame. Voilà, vous, avez, vous avez le droit, vous avez le, le choix. Euh, ensuite, il y a eu... Je regarde. C'est ça, voilà. Le, le suivant, toujours du même auteur, bien entendu. Hop là, pardon. C'est lui, c'est Noise. Euh, Noise, en fait, je vous conseille de le lire après après Blame. Parce que euh, c'est un, une histoire qui se passe avant et qui se passe à un moment où la mégastructure n'est pas encore en place. Et c'est hyper intéressant. Quand je l'avais lu, ça donne des clés de compréhension qui sont euh, importantes. Alors, je vais vous montrer les images. Hein. Sans ça, de toute façon, euh, il faut le lire hein, pour comprendre. Hein, parce que déjà, en le lisant, on comprend pas tout. En montrant juste quelques images... Euh, ça marche pas mieux. Et en fait, on comprend comment s'est construite cette méga structure qui s'étend à l'infini. Et c'est assez intéressant euh, là-dessus. Euh, je ne vais pas dire que c'est euh, le manga indispensable et incroyable, mais comme il rajoute pas mal d'éléments clés dans euh, l'univers, ben c'est hyper intéressant de le, de le lire. Je crois que de mémoire, il y avait deux histoires. Hein. Est-ce que c'est ça? Non, c'est chapitre 5. Je crois que de mémoire il y avait deux histoires, mais en tout cas voilà, ça reprend le, la création de la méga structure et comment ça s'est passé, euh, parce que tout a une explication bien entendu. Et c'est quelque chose qu'il a fait euh, après, et il faut le lire après. Sinon, euh, vous risquez de, bah, de vous faire spoiler euh, pas mal le, le, le comment dire Blame, Et ça serait dommage parce que bah, le but de Blame c'est découvrir l'univers et c'était ça portée Donc là, ça c'est pour pour lire après. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, ça s'appelle Noise, tout simplement. Et c'est ressorti aussi en grand format. Donc euh, n'hésitez pas euh, si Blame vous a plu et que vous voulez aller euh, un petit peu plus loin dans, le, dans la découverte de cet univers. Et là, elles sont clairement liées directes, hein, euh, effectivement. Hein. Donc euh, là-dessus, euh, euh, c'est vraiment le, le, la préquelle de, de, de Blame, officiellement. Parce que tous les autres mangas qu'il a dessinés... Tout semble se passer dans le même univers, peut-être à des moments temporels différents, ça c'est fort probable aussi. Et, et sauf que pour l'instant, le nier est en train de se créer, il ne veut pas le dire, Il veut pas le. c'est une question que je lui avais posée bien sûr à Angoulême et que tout le monde a dû lui poser. Moi mes questions, elles sont archi-classiques. Et voilà, il n'a pas voulu répondre, mais on sent qu'il y a pas mal d'éléments qui sont liés dans ces univers. Euh, Est-ce que Glenna compte sortir toutes ses œuvres ben, ça va dépendre du euh, du Japon. Euh, ça dépend du Japon et au Japon, ben, ils sont en train de là ils sont en train de sortir un, un peu tout. Hein. Donc euh, je dirais sur le principe oui, je pense que Glenna va tout sortir. Toutefois, il faut que ce soit sorti au Japon. Et typiquement, ben, il y a eu Bio on va en parler, à Abara, Biomega, et euh, voilà. Mais il n'y a pas eu le Night of Sidonia et Aposim, par exemple, n'ont pas eu euh, de grand format au Japon. Tout ça, c'est un petit format. Tout comme euh, celui-ci, notre un un autre livre dans, de Blame, pour finir justement l'univers de, de, de Blame, c'est Blame Gakuen Ensohon. Et c'est un livre en petit format. Il n'est jamais ressorti. Je ne sais pas s'il sortira en grand format. Mais c'est un livre qui est tout en couleur. Vous voyez et ça, c'est assez cool. Alors là, c'est un livre un peu particulier, puisque à la fin, il y a une histoire qui se déroule dans l'univers de Blame avec Killy, le personnage principal. Par contre, au début, ce sont des histoires un peu plus euh, cheloues, je dirais, avec des fois à un moment, voilà, Killy qui est à l'école. Donc je ne sais pas trop dans quel contexte ça s'est fait. Mais euh, voilà, c'est un petit délire de l'auteur sur les personnages. C'est à lire quand on est, ben, bien sûr, fan de... Fan de l'auteur, hein, naturellement. Euh, pas lire indépendamment. Je ne pense pas que lire indépendamment, ce soit très intéressant. Voilà. Je ne sais pas si le micro est trop fort, vous me le dites. Hein. Je suis assez près du micro. Donc, si c'est trop fort, euh, tenez-moi au courant. Et donc, du coup, euh, voilà. Donc c'est cool de découvrir au signé euh, en couleur, comme ça. Alors, il y a un peu de « etchi » dessus. Et, euh, voilà. Et à la fin, il y a une histoire... Euh, vraiment dans l'univers de Blame qui était très cool quand je l'avais lu j'avais fait ah putain, la, la deuxième partie du, du manga et j'en avais un bon souvenir je me disais c'était ah, cool qu'il y ait cette histoire parce que sinon ça manquait un petit peu d'intérêt ouais, c'est celle-là il ouais, y avait deux histoires il y a plusieurs histoires donc euh, ça fait longtemps que je l'ai lu pareil hein, vous, vous rappelez le concept c'est que je vous, je vous donne un petit peu mes souvenirs et me, mon ressenti donc, ouais, c'est Nyei, en fait, j'ai appris vraiment à l'apprécier au fur et à mesure des, des séries qu'il a sorties. Et, et pas à l'époque où, justement, il y a eu. où, où vraiment Blam est sorti que c'était la révolution. Ouais, cette planche, elle est, elle est super belle, quoi. Donc, voilà, donc là, c'est pour montrer pas mal d'images, comme ça, vous voyez un petit peu le contenu. Je ne sais pas si c'est trouvable encore, ça. Un qui, si quelqu'un peut me le dire. Mais voilà, tout en couleur, et c'était pas très cher en plus. Hein. C'était peut-être dans les 10 balles. à l'époque, ça allait quoi. Pour, euh, pour un livre tout en couleur, c'était pas mal. Euh, donc voilà, Blame, Gakuen, and so on. Euh, ensuite, il a fait maintenant d'autres séries qui sortent de l'univers. Enfin, qui sortent de l'univers direct de Blame, qui sont plutôt dans un univers étendu, je dirais. Puisque pour l'instant, on n'a pas de confirmation euh, officielle, c'est Abara. Abara, c'est en deux volumes. Et attention à peut-être ne pas commencer euh, la découverte de Nyei avec Abara. Pourquoi Parce que Abara, c'est un. De mémoire, c'est un fourre-tout, c'est un truc très expérimental. L'auteur là, il se lâche, il se fait plaisir. Par contre, faut pas trop chercher l'histoire et il faut pas trop chercher euh, la, la cohérence là, dans, dans, enfin comprendre ce qui se passe plutôt euh, dans, dans ces deux volumes, parce qu'on sent que là, il, il s'est lâché il s'est lâché, il avait sûrement carte blanche. Il eh, vas-y et il a dessiné, il s'est fait plaisir. Sauf que quand on le lit, c'est imbitable. Mais vraiment, c'est imbitable ce truc. Hop là, je vais un petit peu avancer mon, mon micro. Euh, c'est imbitable et euh, on a toujours des pages couleurs là, des petits posters même au début. Vous voyez, euh, trois pages. Et ici, là, en deux pages du coup. Hop là. Ah bah cool, c'est cool, c'est toujours en vente. C'était quoi le prix déjà, si tu peux me le, le rappeler Ça serait gentil de ta part. Je m'en rappelle plus, mais c'était dans les 10 euros, je crois. À euh, une époque où les mangas étaient encore accessibles. <laughs> voilà, 10,95 merci euh, donc du coup voilà ça ce... donc des histoires toujours pareilles on va retrouver euh, son univers euh, graphique euh, ses décors euh, ultra impressionnants euh... hop là j'essaie de bien le caler euh, qu'il a l'habitude de faire et vous allez voir c'est surtout le design en fait des, euh, des bêtes euh, des monstres qui est assez impressionnant. Voilà, une sorte de design de, de château mélangé à, à des colonies, ça fait assez bizarre. Alors, ça, non. Voilà, on va voir des designs de très très cool. Donc, quand je l'avais lu, moi ça m'avait beaucoup surpris. J'avais été très surpris par l'œuvre parce que j'avais du mal à comprendre réellement la, la. Vous voyez cette planche, elle est incroyable. J'avais du mal à comprendre la, la finalité de de l'œuvre parce que c'est un sort de fourre-tout mais quand on apprécie l'auteur bah du coup c'est un peu euh, un kiff quoi, il faut rentrer dedans bien sûr mais ça sera pas la série que je vais vous conseiller en premier, ça sera plutôt vers la fin si vous avez envie de continuer à approfondir les connaissances de l'auteur donc voilà et, euh, et il faudra que je fasse une émoticône ke cambidène hein. il faut que je le fasse <laughs> salut Xiaomi uh, Bienvenue à toi. Euh, donc voilà, avec des monstres toujours côté euh, organique. Euh, donc voilà quoi. Ah ben cool. Euh, euh, Rafoujou, bienvenue à toi. Aujourd'hui on explore mon Mangatech. Euh, donc voilà. Et donc là aujourd'hui, euh, euh, voilà vous voyez, vous voyez un petit peu voilà, ce genre de monstre là. Ah, je vais pas tomber dessus bien sûr. Ah voilà. Avec des tentacules et tout. Euh. C'est très, très, très cool. En grand format, ça. Ça doit être tellement beau. C'est pour ça que je vais me les lire en grand format. Les sortir en petit format, c'était euh, sacrilège. Vous voyez le, les designs. Et voilà, on sent qu'il a expérimenté des trucs. Et c'était euh, très cool à lire. Mais j'avais rien compris à l'histoire. <laughs> voilà, c'était ça, quoi. Donc... Euh... Salut Dorold eh Oui Nili, ici il voilà, y a pas mal de, de styles différents, de styles graphiques différents. Je vous montre quelques planches, voilà, ce genre de planches-là, moi je trouve ça incroyable. Donc voilà, donc Abara euh, a conseillé, mais une fois que vous avez déjà lu du NIA, vous avez fait déjà les, les blâmes, vous avez fait les, les bioméga euh, au moins cela déjà, et potentiellement... Euh, Klanovsionia, mais même vous pouvez commencer avant. Mais voilà, si vous avez fait ça, vous pouvez lire Abara. Et euh, mais je vous conseillerais de lire en tout cas après bioméga Salut madgame game, bienvenue à toi. Euh, donc voilà, donc du coup le prochain toujours de Niel, puisque il y en a d'autres, euh, j'ai tout, tout ce qui est sorti, hein, je crois de nier normalement, je n'ai pas, je n'ai pas loupé. C'est Biomega. Alors là, vous, comme ça, vous, vous allez vraiment euh, pouvoir euh, tout voir et vous décider de, de vous lancer. Mais déjà, commencer par, par Blame, euh, vous allez voir que ça sera, ça sera déjà une belle expérience. Euh, ah, je vais peut-être chercher les trois derniers, parce que Biomega se découpe en deux parties. Hop Voilà. Alors blame Zero, c'est le c'est noise hein. donc attention hein, euh, c'est ce que j'ai montré juste avant malgame hein. euh, Biomega ça se compose en deux parties on va retrouver toujours dans l'univers qu'il a créé des grandes structures euh, inconnues voilà euh, donc là là kiff, euh, voilà ce genre de structure là Illimité. Juste au fait, Mad Game, du coup, euh, euh, Blame 0 est à lire après Blame. Attention, souvent le 0 est à lire après. Euh, voilà, on va retrouver ces créatures euh, euh, organiques qu'il adore faire. Et en fait, les trois premiers volumes euh, sont euh, mettent en place euh, l'histoire, les personnages, euh, l'univers et, et compagnie. Sauf que, euh, euh, donc voilà, ça c'est très cool. Et franchement, moi j'aime beaucoup Biomega. Donc voilà, je vous montre un petit peu euh, derrière. Voilà, vous voyez, euh, ce genre de mélange des styles. Euh, les, les persos ils font assez flipper. Et il y a des planches qui sont vraiment euh, super belles. Quoi. Non, le style de Nia il est vraiment inimitable. Et il, dedans, il y a un ours. Un ours qui m'a fait trop rire parce que c'est un ours qui n'aime pas le miel. <laughs> Donc voilà, il la manière dont c'est raconté, ça m'a vraiment fait rire. Voilà, là, il rencontre un ours qui parle. Donc là, il, il était parti dans ce trip-là. Et ça a fait très un peu film de zombie aussi par moment. Dedans. Ouais, je vous montre les images parce que franchement, l'univers, il est, il est incroyable. On sent que voilà, le gars, il, il se fait plaisir d'un de, de, point de vue design. Et en fait, à partir de... Attends, je vais prendre par exemple le 3. Ouais, je vous montre. Hein. Je ne sais pas si ça vous donne envie, mais... Quand j'avais relu mon Aposim, j'avais trop envie de me relire tous les NIA. J'aurais dû même. J'aurais dû enchaîner sur les voyez ouais, Ce genre de structure, désolé, il faut que je vous cale proprement sur la caméra. Ça, quand je vais lire ça sur ma tablette, ça va être incroyable. Et en fait, ce qui se passe dans BioMega, c'est qu'à partir du 4, je pense que l'éditeur a dû lui dire, bon... Il va falloir accélérer ton histoire, mec, parce que ça ne marche pas tant que ça. Et donc, à partir du 4, ça part dans un délire. Alors, tout est en accéléré, mais hyper rapide. Donc, ça, c'est le côté un peu décevant. Mais ça part dans un délire cosmique. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et euh, du coup, euh, le comment dire, c'est presque dommage que ça ait été rushé. Parce que s'il si avait laissé le temps à l'auteur de développer tout ça ça aurait pu être mais juste juste génial quoi donc ça speed mais ça nous amène dans des euh, dans un trip je sais pas si on va le on va le voir Au un moment il est sur le tuyau là j'essaie de voir si on, le, on voit le truc mais dites-vous que la deuxième partie voilà ça l'histoire est hyper rushée hyper accélérée voilà à moment c'est quand il arrive là sur ce fameux tuyau là Donc l'histoire tient la route. Bien sûr, ça reste très cryptique de, de, de ce côté-là. Il ne faut pas voilà, s'attendre à, à quelque chose qui reste compréhensible par, euh, euh, par une lecture euh, chill, entre guillemets. Ça fait partie de ces lectures où il faut s'investir un petit peu. Moi, perso, c'est un bioméga, c'est un manga qui est un peu... Euh, qui mériterait un petit peu plus d'amour par rapport au reste, parce que comme ça finit rapidement, ben, on a un peu pris dans ce dans ce truc-là et on peut dire, ouais, bon, c'est un peu dommage que ce soit pris, euh, euh, qu'il ait accéléré. Alors qu'il avait pris le temps, ça aurait pu être une œuvre qui est juste, juste géniale. Euh, donc ça, tant pis, hein, c'est comme ça. Au bout d'un moment, c'est le, le marché qui est comme ça. Quand on leur demande d'accélérer, ben, voilà, il a pu finir son histoire, mais euh, dans, dans le speed. Donc voilà, donc ça tient la route malgré tout, c'est juste qu'à ben, la fin, il faut un peu s'accrocher pour suivre exactement euh, toutes les actions qui, qui se passent. Donc voilà, donc Bioméga, moi je vous le recommande aussi, mais euh, après avoir lu BLAM, sachant que c'est une œuvre qui, voilà, qui a ses défauts de ce côté-là, mais qui avait euh, pris le parti de, de vraiment développer euh, l'univers. Euh, voilà pour ça, et euh, l'œuvre suivante, c'est ça. Il a fait après sa plus grande œuvre. Alors il faut savoir que là à chaque fois c'était des œuvres qui étaient très euh, cryptiques. Ah, c'était vraiment euh, voulu, mais euh, le problème c'est qu'il faut aussi vendre des mangas. Et le souci c'est qu'à force de faire des œuvres un peu trop cryptiques, c'est compliqué de, bah, de, de vendre. Donc il a dû, euh, bah, on va dire alléger un petit peu son univers. C'est pas pour autant que c'est moins bien, mais son style va un petit peu évoluer à partir de Knight of Sidonia. Les Chevaliers de Sidonie, qui est en 15 volumes. Alors, c'est des volumes qui restent assez fins. Hein. Je crois que ça fait euh, ouais, 170 pages à chaque fois. Euh, mais à cette époque-là, Glénat faisait encore des livres un peu plus épais. Et donc, du coup, euh, ça se passe cette fois dans l'espace et pas dans les bâtiments euh, euh, derrière. Et il euh, y a des grosses entités organiques là, qui, les, euh, qui les attaquent. Et ça donne une sorte de mélange de méca. Euh, à la, un peu à la Evangelion, à tous les trucs de, de mecha. Bon, ma, ma référence, moi, ce sera plus Evangelion personnellement. Mais ça, comment dire ça, il, il, pareil, il fait des designs qui sont juste, juste incroyables. Et, et vraiment, il travaille beaucoup sur le côté organique euh, dedans. Euh, il faut savoir aussi que ça fait un peu slice, slice of life de temps en temps. Euh, il y a même un petit peu de relations amoureuses euh, dedans. Euh, euh, il essaye en tout cas, maladroitement, mais il essaye. C'est plus grand public par rapport aux relations humaines qui qui développent dedans, mais ça reste quand même très particulier avec l'univers Nyei bien sûr qui se euh, qui se développe. Euh, donc voilà, euh, hop là. est-ce qu'ils sont tous disponibles Je pense que oui. Donc voilà. Et euh, et Maximatos, oui, la fin de la poésie mes rochers, on en avait parlé justement quand je l'avais chroniqué. Et euh, Mad Game Evangelion, on va en parler tout à l'heure. Donc on pourra en reparler. Mais en tout cas, ça donne voilà, ce genre de monstre-là un euh, coup de robot. Et j'avais adoré, euh, adoré l'histoire, je l'avais dévoré, bien entendu, puisqu'on découvre la vie sur les colonies, mais aussi euh, ces attaques euh, permanentes de, de monstres. Et franchement, c'était une très très bonne histoire. Le dessin, vous voyez, il est un petit peu plus... Euh, un petit peu moins sombre, un petit peu moins euh, euh, comment dire, un peu moins cryptique, beaucoup plus ouvert et ça donne euh, voilà ça donne ça. Ne regardez surtout pas l'adaptation Netflix parce que des comment dire, j'ai essayé de la regarder, l'animation est dégueulasse sur la série Netflix. C'est c'est l'animation 3D là qu'ils ont qu font de, de plus en plus, mais pas du tout maîtrisée. Elle est vraiment vraiment dégueulasse et en plus Hop là, ouais. donc la survie du groupe, à chaque fois, elle est menacée. Euh, et en plus, euh, euh, l'histoire, je trouve qu'elle est moins intéressante en, en animation. Moi, je m'étais un peu ennuyé, je ne l'avais même pas fini. Vous voyez, on voit les armées là qui se... les armées de robots euh, dans l'espace. Ces, euh, ces sortes de, de vaisseaux monstres là qui sont, euh, euh, qui sont euh, comment dire, euh, tout organiques et tout, qui doivent euh, tuer. Toutes ces personnes-là, c'est des sortes un peu de clones, on, on l'apprend au début, euh, qui sont... Ils jouent beaucoup sur l'androgynie des personnages qui peuvent choisir leur sexe à l'intérieur euh, au cours de leur vie. Donc voilà, ils, ils, ils floute un petit peu tous ces, euh, toutes ces, 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 ces lignes euh, de ce côté-là. Alors oui, je ne vais pas dire qu'il a prêt à dessiner des visages, mais disons il en prend beaucoup plus soin à dessiner des visages. Donc pour moi j'avais adoré euh, le, le récit, je l'avais dévoré. Et en 15 volumes, ça se, ça se lit tout seul. Je vais vous montrer un petit peu plus loin, genre le volume 9 par exemple. Donc il y a un petit peu de, de heishi bien entendu. Euh, très peu par rapport à ce qui se fait, mais on sent voilà, qu'il a, il a dessiné quelques petites scènes euh, plus coquines pour faire plaisir au public. Quoi. Voilà, pas en place. Ça, ça mérite aussi un grand format. Hein. Vous voyez, euh, sorte d'épée de, de, là, d'arme avec ce, ce personnage euh, ça, qui font des, des, des dizaines de mètres de hauteur. Des combats aériens, franchement, c'était mais c'était trop cool à lire. C'était vraiment trop trop cool à lire. Je trouve qu'il a une une façon de mettre en scène les combats et tout qui était incroyable. Et là, on voit déjà qu'il a commencé à prendre un peu son virage vers Aposim, avec quelque chose de beaucoup plus blanc. Vous voyez, on n'est euh, pas noir euh, comme dans les autres récits. Les autres récits, si on prend du euh, du Biomega par exemple, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes. Euh, les mêmes teintes en fait. Et au fur et à mesure, il a pris... Euh, il, il commence vraiment à tourner, à aller vers le blanc. Et euh, tous les effets de particules et tout, on commence à bien le voir. Moi, je l'ai beaucoup vu dans, euh, dans Aposim. Et là, c'est le début, quoi. On commence à voir, regardez, euh, ce genre de planche est juste incroyable. Donc c'est vraiment... Euh, c'est super beau, quoi. je vous montre un petit peu plus comme ça. Donc ça je vous le conseille aussi. Je me suis euh... voilà, je me suis régalé à le lire. C'était quoi le début voilà, une petite voilà, temps il y a quelques scènes comme ça. Je sais pas pourquoi il a voulu il a voulu faire ça. Bon, c'est pas euh... il y en a pas tant que ça mais il y en a un petit peu. Il y a des personnages là euh, pas qui reviennent mais euh, un peu proches, vous voyez, il y avait un autre personnage Ours et je pense qu'il a mis à ce genre de personnage et voilà, donc ça, voilà, je peux que vous le conseiller, vous voyez, ce genre de planche. J'avais l'impression de retrouver le côté ange dans l'évangélion, euh, avec des formes différentes, avec des approches différentes au niveau des attaques. Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans, dans le manga. Ouais, et toujours ces structures, là, cette fois sur une planète. Voilà, ces structures-là, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien là sur la caméra, mais. Donc voilà pour euh, Cloud of Sidonia, très très bon euh, récit. Euh, cette série, alors cette série elle se rapproche le plus effectivement d'Aposim par son côté graphique, le côté blanc, mais en termes d'univers, ça serait peut-être plus Blame, sauf que là où l'intérieur, Aposim, on est à l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt ça quoi. Euh, donc ouais, ça serait bien que Glenal les réédite, mais je pense que... Qu il faut que ce soit euh, comment dire il faut que euh, au niveau de, du Japon ça arrive euh, sinon euh, alors Aposim, j'en ai parlé euh, récemment j'en ai fait une critique complète euh, on a passé 20 minutes dessus donc je vais pas euh, je vais pas trop m'attarder sur ça je vous renvoie vers euh, je vous renvoie vers ça d'ailleurs euh, normalement vous avez la liste hein, si vous tapez euh, euh, point d'exclamation manga je crois que c'est ça voilà vous avez la liste, n'hésitez pas à y aller, cette liste, c'est la liste où je chronique, il euh, y a la liste de tous les mangas que j'ai chroniqués, que j'ai montré durant les explorations en détail, ou que j'ai fait une critique, et Aposim, euh, voilà, il a sa propre critique. Et, où là, cette fois, on est sur un univers, ou une sorte d'univers de, de neige, pour moi, c'est de la neige, euh, et donc, du coup, euh, du coup, voilà, tout est très blanc, vous voyez, on a totalement changé d'univers visuel, tout est très très blanc, et et donc voilà, on a moi j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce truc-là et surtout ce côté voilà organique mélange des corps euh, avec les corps humains cette fois décomposition euh, particules et tout et c'était vraiment super kiffant euh, à lire. Par contre ça rush un peu sur la fin ce qui est vraiment dommage ça méritait qu'il y ait encore deux trois volumes de plus pour terminer euh, plus sereinement et plus proprement. Mais euh, j'avais adoré le design des marionnettes comme ça. Elles sont, euh, elles sont magnifiques aussi. Donc j'adore, j'adore vraiment le, le côté euh, visuel de l'auteur. Mais ça euh, voilà, très très beau quoi. Donc voilà, mais ça je, je vous renvoie vers ma critique parce que ça à rien qu'on passe plus de temps sur, euh, sur lui. Je vois si je oublié autre chose. Et voilà, tu disais du coup... Euh voilà, tu ne sais plus où tu avais entendu quelqu'un trouver beaucoup de sympathie entre Aposim, fire punch. Alors en fait, la... la... La similarité, c'est que dans Fire Punch, le héros ne peut pas mourir. Il est enflammé de manière éternelle. Donc, en fait, il ressent la douleur de la brûlure. Et il a mis des années avant de s'y habituer à cette douleur-là. Et dans Aposim, ce qu'il y a, c'est qu'il se régénère. Il se régénère euh, via euh, quand il se repose. Donc, euh, il pourrait y avoir une similitude, mais ça reste quand même très différent dans le, dans le truc. Maintenant, là aussi, c'est la vengeance dans, dans Aposim. Et dans euh, Fire Punch, c'est l'idée de venger justement euh, des personnes qui ont tué euh, tout leur clan ou leur famille, etc. Et les deux démarrent un petit peu de la même chose, mais c'est une histoire de vengeance. Quoi. Mais l'univers reste quand même bien distinct entre les deux. Mais Nyei n'a pas fait que ça, il reste encore une œuvre. Et cette œuvre, c'est un comics. Et c'est une adaptation. Cette adaptation, c'est Wolverine: Sknit, qui, était, qui est sorti chez euh, Marvel France. Alors moi, en tout cas, il y avait deux versions. J'ai la version Marvel, Marvel, Marvel France et je crois que la deuxième. Ah ben voilà, non. Pardon. C'est chez Panini, mais c'est Marvel qui avait été mis en avant. Donc c'est chez Panini que c'est sorti. Et il euh, y a eu deux éditions de mémoire euh, qui a été faites. Et là, on va retrouver l'univers de denier. Alors c'est un peu grand du coup qui est transposé avec... Alors, attendez, comme il y a les reflets de la lumière, comme là, c'est du papier glacé, du coup, ça reflète, qui est transposé dans l'univers de, de... Enfin, c'est Wolverine qui va être transpo, transporté dans l'univers de, de Blame. Et franchement, ça donne une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui se tient, en fait, qui reste assez logique dans... Comment dire dans, dans, Sur elle-même, en fait, hein, le... Elle se gère euh, toute seule. Et c'était très cool en fait à lire. J'ai beaucoup aimé. Ça fait bizarre de... Ça fait à la fois comics et manga. C'est un mélange entre les deux. On reconnaît le style Niagara avec des personnages de, euh, de comics, avec un découpage plus comics aussi. Et ça a donné euh, franchement une bonne, euh, une bonne série. Et voilà, c'était euh, très très cool à lire. Moi j'ai beaucoup aimé. Euh... J'en ai un très bon souvenir. Je l'ai lu qu'une fois, mais j'en avais un bon souvenir. J'étais resté sur euh, un truc très positif en disant qu'il ben, avait bien réussi à, à utiliser le personnage. Alors, comme là, c'est un personnage qui arrive dans son univers, c'était peut-être un peu plus simple pour lui. Mais la manière dont il fait venir Wolverine euh, et, euh, et les actions qui, qui se passent dans cet univers-là, ben, je trouvais que ça, ça me. En tout cas, personnellement, ça me satisfaisait euh, euh, sans problème, quoi. Je lui demandais pas plus. C'était une bonne œuvre assez divertissante, quoi. Euh, voilà. Après, ça n'apporte rien à l'univers de plus. Hein. C'est plus un, un kiff et un trip de, de ce côté-là. Hein. Ah d'accord. Toi, Matojora, tu l'as découvert avec euh, avec Sknit. Voilà, C'était une claque visuelle. Et là, en plus, c'est tout en couleur. Alors, c'est euh, c'est voilà, c'est assez joli. Moi, j'aime beaucoup. Euh... Donc voilà, donc Snit est le dernier, le dernier manga de, de l'auteur, enfin pas le dernier sorti, mais le dernier que j'ai en stock de lui. Donc là vous avez vu euh, l'intégralité de son œuvre. Donc si je dois résumer, je vous conseille clairement euh, de lire en premier euh, du coup Blame, hein, l'original. Vous pouvez sans problème enchaîner sur du, euh, du bioméga, même si vous savez que la deuxième partie est un peu plus rushée, alors blâme et noise. Hein. Euh, et après, n'hésitez pas, si vous voulez un truc un peu plus expérimental, c'est Abara, Et des choses qui sont un peu plus, euh, je dirais, faciles d'accès, ça va être Gnad euh, euh, Ocidonia ou, euh, ou euh, Aposim. Donc voilà, ça va être ça. Après Wolverine Night, c'est encore autre chose, mais voilà, si vous aimez bien les, les crossovers d'univers, ça peut être cool à découvrir aussi. Et euh, voilà, n'ai pas boudé mon plaisir en le lisant. Voilà, je sais pas si ça a donné envie euh, de découvrir l'univers à certaines personnes, mais en tout cas voilà, c'était, euh, c'est, euh, je suis content de les avoir, je suis content de les avoir euh, lus, j'ai envie de les relire. Et je suis content que Glénat les ressort dans un nouveau format parce que ça met beaucoup plus en avant l'auteur, euh, ça met beaucoup plus en avant son, son, son talent, entre guillemets, et, euh, et le travail, le détail qu'il a pu faire sur les planches. Donc là, ça, c'est plutôt cool. Perso, moi, je ne rachète pas les rééditions parce que voilà, j'en ai marre de racheter les, les, les mêmes séries. Mais euh, derrière, voilà, je préfère garder mon édition et la lire après sur tablette. Salut Mamoru Bienvenue à toi Donc, euh, Rafa Ju, ouais, tu as commencé les blames. Eh bien écoute, cool, tu pourras nous faire un petit retour quand tu auras avancé euh, dessus. Est-ce que vous avez des questions sur Nyei ou c'est bon On passe à la suite. Je vérifie que j'ai rien oublié de lui. J'en profite en attendant que vous me répondez. Hop est-ce que j'en ai oublié Note, Biomega, Aposim. Non, on a tout. On a tout, on a tout. Voilà. Et je vois qu'il a été... Euh, je vous montre. Euh, je vois qu'il a été... Euh, euh, C'est l'auteur d'un animé, Kaina in the Great Snow Sea. Je ne connais pas ça. Je connais pas du tout. Moi, ouais, s'il y en a qui connaissent... Euh. Voilà. Ah ben merci. <laughs> merci beaucoup d'être venu, euh, euh, venu pour ton Prime. C'est adorable. De toute façon, le, ouais, le, le, le replay sera disponible vendredi, euh, comme d'hab. Comme d'hab. Euh, très bien. Alors sachez que les sub euh, j'ai beaucoup de mal à synchroniser les sub-goals euh, entre. entre, entre... Twitch et, euh, et Stream Element donc pour l'instant c'est encore en cours mais celui qui est affiché normalement est le bon euh, sur le, le live mais euh, voilà faut, je pense qu'il ne faut plus que j'utilise celui de Twitch il n'est pas j'arrive pas, pas à, le, à le régler comme il faut euh, Star Academy euh, ben après ça dépend moi je trouve que dans la couleur franchement il a des, des belles planches en couleur après ça dépend sur le comic c'est pas, pas le plus beau j'avoue mais, tu vois, regarde, il y a quand même des, des super planches en couleurs, euh, tu vois, qui sont, euh, qui sont très cool. Mais voilà, ça dépend de la colorisation aussi. Euh, donc, voilà. Euh, les, ah oui, alors, Blam se lit très vite, effectivement, hein, ça vous, je l'avais dit. Les autres sont plus verbeuses, notamment euh, ben, Clind of Sidonia ou Aposim sont déjà beaucoup plus verbeuses. Vous voyez, euh, si, euh, vous voyez il y a du texte. Ça aussi, c'est un des changements. Alors attention, hein, c'est pas euh, c'est pas un roman hein, qu'il écrit. Hein. Ça reste assez euh, assez léger. « Clan of Sidonia », c'est la même. C'est-à-dire qu'il y a du texte aussi. Pardon. Il y a du texte aussi. Vous voyez, donc là, à partir de là, il, il lit pas mal. Enfin, il y a pas mal de choses à lire. Euh, « Bioméga », je crois que « Bioméga », ça reste euh, ça entre deux. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'images. C'est entre deux. C'est-à-dire que son style, en fait, avant euh, « Clan of Sidonia », ça reste très épuré en termes de texte, tout passe par le dessin. Par contre, le s'appelle le, les, ces deux grandes, ces deux grandes séries, euh, Clan of Cydonia et euh, Aposime, il y a déjà plus de texte à lire. Il y a, voilà, il y a les, les personnages parlent, ils sont moins, ils sont moins intérieurs, ils sont voilà, ils s'expriment. Et ça, je pense aussi, c'est dans une volonté de rendre l'œuvre plus accessible, parce que ben, voilà, à force de faire des œuvres un peu trop euh, cryptiques, ben, c'est difficile aussi d'avoir, de, euh, de, de toucher le, le plus grand nombre. Mais ça reste quand même dans son univers. Hein. C'est pas non plus... Euh, vous l'avez vu, hein, visuellement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Hop Alors continuons. Continuons, continuons, continuons. Euh, du coup, alors là on va continuer sur une autre œuvre. Une œuvre que j'ai connue il y a très 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 longtemps aussi. Et une œuvre sur laquelle à l'époque je n'aimais pas. Du moins j'avais du mal à, à, à aimer. Salut euh, Okiba, Okita, pardon. Okita. Bienvenue. Et, euh, et donc du coup, c'est j'ai eu du mal à aimer. Et c'est un pote qui, qui était le même pote d'ailleurs, qui était aussi à fond sur la série. C'était donc euh, là maintenant, on va parler euh, d'Evangélion, Il était vraiment à fond sur la série et, euh, et ça passait à l'époque sur ces deux points. Donc c'était mes parents avaient Canal Sat et sur Canal Sat, avant Game One, ça c'est pour les plus vieux, euh, ça Evangelion passait sur ces deux points. Et il euh, y avait la série animée, puisqu'on connaissait d'abord la série animée. Et, euh, et <laughs> Boris, je pense que le jour où je vais faire Les Arts noirs, tu, euh, je, je vais te bloquer ce jour-là. Comme ça, tu ne pourras pas la voir. <laughs> et donc, du coup, euh, euh, du coup voilà, je, je, il me demandait d'enregistrer les épisodes chaque semaine, Mais ça il y en avait un par semaine. Et à l'époque, c'était l'époque des magnétoscopes. Hein. donc il fallait pas louper parce que si on si on loupait l'épisode, c'est mort. Hein. Euh, ça, savoir la rediffusion à l'époque, c'est compliqué. Et ces deux points, c'était une chaîne en fait avant Game One. Qui a connu ces deux points Qui connaît la chaîne ces deux points C'est une chaîne qui est morte aujourd'hui hein, depuis très très longtemps, avec qui a, qui a été remplacée par Game One. Dites-moi si vous vous rappelez, euh, c'était une chaîne de Canal Sat. Arnaud, Arnaud. Donc, euh, du coup, euh, pour, en gros, c'était une chaîne où on pouvait euh, télécharger via le satellite des logiciels sur son PC Windows. Alors moi, j'avais un Mac à l'époque, du coup, ça ne marchait pas. Et euh, tu pouvais acheter, et toute la journée... Et diffuser des, euh, des clips des, euh, des logiciels qui présentaient que tu pouvais télécharger gratuitement parce que tu étais abonné à ce service. Et, euh, et du coup il euh, y avait ça et je sais pas pourquoi, ils avaient diffusé Évangélion, donc euh, j'ai enregistré toutes les semaines, moi je suivais mais j'aimais sans aimer en fait j'accrochais pas plus que ça, et lui il était au taquet et moi je faisais pas dire que j'aimais pas plus que ça donc j'étais là, ouais ouais, trop bien, trop bien <laughs> voilà, vous savez ce que c'est hein, qu'on est plus jeune, voilà, on n'ose pas trop des fois s'exprimer, et c'est en mode waouh ouais, ouais moi aussi j'adore et tout, et en fait Évangélion je kiffe, je kiffe aujourd'hui Évangélion, mais euh, mais ça a mis du temps parce que en fait, j'ai jamais vraiment aimé les robots. Donc tous les gros robots, etc. Ça m'a jamais fait kiffer. Et c'est que très récemment que je commence à apprécier les robots. Et Evangelion, c'était une des rares séries que j'avais aimé avant d'apprécier, comme aujourd'hui, les gros robots. Evangelion et Full Metal Panic. Voilà, c'était deux, deux séries parce que je n'avais pas l'impression de voir des séries sur les robots, en fait. Alors que les Pat labor, etc. Ça m'ennuyait. Je ne trouvais pas de, de plaisir spécialement dans, dans ces séries-là. Mais ça, c'est très personnel. Hein. Et dans Evangelion, du coup, il euh, y avait donc à la base un scénario qui est d'abord sorti en animé et qui a aussi été adapté en, en manga. Et le manga, quand il est sorti, on l'avait acheté toujours dans cette édition un peu cartonnée. Et le manga, il a mis 20 ans pour être publié. C'est énorme. Et genre, entre chaque volume, les cinq premiers étaient sortis rapidement. Et puis après, on attendait deux ans, trois ans, cinq ans entre un volume. C'était interminable le truc. Et euh, ça s'est terminé il y a quelques années. Et on va pouvoir parler d'Evangélion aujourd'hui. Donc ça, c'est très très cool. Donc, Evangélion, la... c'est pas la toute première, comme je vous disais, c'est comme Blame, hein. il y avait une édition un peu merdique, euh, cartonnée, sans jaquette euh, amovible. Et voilà, alors vous voyez, c'est un, un truc qui... Je crois que... Attendez... Ouais, et, et elle a vécu, hein. vous voyez la, le trait blanc là, on va faire attention à ça. Alors à l'époque déjà, une page couleur, c'était incroyable, on était trop heureux et tout. Euh, donc voilà, ça c'est ça. Et euh, je trouve que c'est la meilleure adaptation d'Évangélion qu'il y a aujourd'hui. J'ai tout vu, hein. j'ai vu la série, j'ai vu les films, j'ai vu les nouveaux films que je trouve excellent aussi. Et, euh, et le manga, je trouve que c'est la partie la plus claire d'Evangélion de, qui explique clairement bien des choses parce que dans la série télé originale c'était imbitable les mecs ils n'ont pas pu terminer comme ils voulaient la série et donc du coup c'était euh, on comprenait rien et en plus à l'époque j'avais raté un épisode genre vers le 22 ou un truc comme ça qui donnait aussi des éléments clés sur des personnages et je l'avais pas enregistré je l'avais raté l'enregistrement la, la, et on avait vu l'épisode 21 genre et 23 et on comprenait encore moins parce que déjà que la fin était rushée on comprenait rien, avec un épisode à moins, mais c'était mort, quoi. C'était juste mort. Et donc, du coup, c'est. Euh, je ne sais pas. J'sais, moi, j perso, j'ai l'impression qu'Évangélion. Euh, je n'ai pas besoin de raconter l'histoire, tout le monde la connaît, mais je pense que c'est pas vrai, en réalité. Vous voyez, c'est une vieille édition parce que tous les onomatopées sont traduites. Alors qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et Rey, d'ailleurs, à l'intérieur, ne s'appelle pas Rey, mais s'appelle Lay dans cette première édition. Je ne sais pas si on va. Je vais essayer de. De, le, de retrouver ça, mais voilà, elle s'appelle elle s'appelle Lei parce qu'à l'époque ils ne savaient pas comment la traduire, donc euh, et après ça elle s'est renommée euh, rey Et donc en gros euh, c'est euh, c'est des anges et quand on dit ange c'est pas des, des anges avec des ailes envoyés par me ça c'est un ange euh, qui arrive sur terre et euh, qui sont là pour la détruire entre guillemets, mais on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent à chaque fois ils viennent et euh, ils ont euh, euh, ils ont inventé euh, les Eva. Donc c'est bien sûr dans un monde où euh, euh, les humains survivent, hein. il y a une grosse apocalypse qu'il y a eu avant, mais euh, ils ont inventé les Evas, voilà, ça c'est un ange par exemple, tous les anges sont différents, hein. et ces Evas euh, sont conduites par des ados, et on va suivre surtout Shinji qui a été rejeté par son père, et son père a été, et euh, bien sûr à la tête de la création de ces Evas, et on va surtout suivre beaucoup de de problématiques père-fils, adolescent, euh, la survie dans ce monde. C'est un, un manga qui sort, juste, qui sort des combats euh, juste robots contre les, contre les anges, qui va beaucoup plus loin, qui aussi a tendance à aller des fois un peu trop loin et euh, perd totalement le lecteur par des réflexions euh, un peu peut-être pseudo-philosophiques, euh, euh, bibliques, euh, etc., qui euh, peut-être n'ont pas spécialement euh, lieu d'être ou qui euh, sont un peu trop surexploité, euh, je dirais, de, de ce côté-là. Pendant longtemps, il y a beaucoup de monde qui, euh, qui justement euh, euh, essaie de comprendre la, la profondeur d'évangélion Peut-être que c'est pas aussi profond que ça, mais c'est que comme c'est cryptique volontairement, ben, du coup ça, ben, du coup ça, ça, ça rend l'œuvre mystique et mystérieuse. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était les, c'était les, euh, c'est un peu le truc. Et aujourd'hui, avec les années, mais bien sûr. C'est facile, les personnes disent ouais, non, mais c'est surcoté ou c'est mis. Alors, les personnes qui souvent lisent Evangélion ou regardent Evangélion aujourd'hui ne sont pas autant dans le trip que nous, on était à l'époque parce que nous, à l'époque, c'était ultra nouveau et donc, du coup, c'était quelque chose qui nous avait surpris. Alors qu'aujourd'hui, des trucs de robots, bah, c'est connu, ça, ça se voit. Donc, euh, voilà. j'adore toujours Evangélion et moi, je, je, je kiffe toujours autant autant l'œuvre. Voilà, ça, c'est un autre ange, par exemple. Mais, euh, mais comment dire mais je peux comprendre qu'aujourd'hui le nouveau public n'accroche pas ou accroche moins à la proposition de s'appelle la proposition de, de, de la série hein, tout simplement et voilà j'adore la, la partie euh, la, la, relation, enfin, la relation entre les personnages c'est vraiment ça qui est mis en avant dans, dans, euh, dans le manga et euh, aussi tout un mystère qui tourne autour des eva euh, ces eva qui, euh, qui ont euh, un cœur assez particulier et, euh, et donc du coup euh, voilà ça, ça pose pas mal de, de, de mystères euh, sur euh, sur ces Eva. Voilà ils sont en plein trip. Il euh. faut savoir que tout ce qui est nu la nudité c'est la pureté au Japon. Hein. Donc euh, si vous voyez des, des personnages nus comme ça c'est juste qu'ils sont dans un état le plus pur possible. Donc voilà. Euh, je vois qu'il y a pas mal de messages. Euh, ah, il y a pas mal de monde là. Aoki qui est arrivé, salut à toi. Euh, ouais, il faut mal aux yeux les homéatopées, effectivement, Zeno. Hein, C'était une autre époque. Maintenant, ça se fait plus, ça. Ça se fait plus du tout. Et c'est effectivement l'édition centrée, puisque moi, il n'y avait pas de trait à l'époque. Mais j'ai l'édition où. Euh, je ne l'ai pas pris. Mais euh, il n'y a, a pas le petit bonhomme euh, sur le volume 10. Il aurait imprimé genre 15 ans plus tard. <laughs> c'est bâtard. <laughs> Mais c'est vraiment des bâtards quoi. Donc voilà. Euh, voilà, si j'oublie quelqu'un. Voilà, alors la musique de l'animé, c'est quelque chose qui a marqué aussi, euh, aussi combien de personnes. C'est juste génial. Et, euh, et donc voilà, l'ambiance de l'animé est vraiment excellente. Et je comprends, Maurice, que t'es pas, pas été convaincu. Et je vois, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui avaient essayé Evangélion parce que nous, on était là. Ah, oh, Evangélion, c'est la vie, c'est génial et tout. Et en, fait, euh, et en fait du coup euh, pardon. et en fait du coup euh, ben, ils n'ont pas accroché, nous était un peu déçus, on essaie de comprendre et je pense que c'est simplement qu'aujourd'hui ça a pas le même impact que ça avait eu quand on, nous on l'avait euh, vu en 98, je crois. Ouais 98 donc ou euh, 95 je sais plus enfin c'est sa date mais voilà moi j'adore euh, j'adore ça et les nouveaux films ils sont excellents ils sont excellents. Par contre, c'est surtout le premier film qui est proche de la, de la série ou du manga. Après, les autres, ils, ils partent un petit peu plus dans autre chose. Euh, voilà, donc moi, je vous conseille vraiment Eva. Et, et cette version manga, la version même, la nouvelle, la nouvelle est très bien là, la nouvelle édition, même s'il y a eu des petits problèmes de, 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 de mise en page graphique. Euh, et c'est voilà, excellent, les personnages sont excellents. Il y, a, il y a voilà les, les, les... Azuka c'est un des personnages et Rey, il y a des personnages emblématiques Je je sais pas quoi dire sur Evangelion parce que je, on pourrait en parler très longtemps et spoiler euh, de tout ça mais le succès d'Evangelion aujourd'hui est toujours là même au Japon il y a toujours autant de, de, de goodies de, de produits dérivés euh, dessus et c'est euh, c'est assez hallucinant quoi euh, donc voilà euh, donc, est-ce qu'il vaut mieux regarder l'anime ou les mangas ou qui Moi, je te dirais, si tu dois en choisir un, je te conseillerais le manga parce qu'il sera plus clair et plus limpide à, à comprendre que les animés ils sont assez euh, euh, comment dire. La le première le série d'animé a quand même pas mal vieilli. passé les premiers épisodes, le budget il tombe, on le sent dans l'animation et tout. Et les nouveaux films ils sont, ils sont très cool, mais je pense pas qu'ils étaient là pour recruter un nouveau public. Ils étaient là pour dire oh, surtout aux otakus euh, euh, d'Evangélion qui râlent, parce qu'il y a eu plusieurs fins, il y a eu pas mal de trucs, euh, pour dire, écoutez, euh, voilà, vous avez votre fin, je vous en ai fait une, et euh, maintenant, ne euh, me cassez plus les pieds, euh, sortez de chez vous, il euh, y a autre chose dans la vie qu'Evangélion, c'est un peu la conclusion du quatrième film, euh, donc euh, les, les, les otakus, là, vous me cassez les pieds, et dégagez. Et c'est ça la conclusion, donc, elle est géniale, hein, cette conclusion, mais... Il faut quand même regarder 4 films pour arriver là. Quoi. Donc je l'adore, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure voie. Donc le manga reste la meilleure voie pour moi pour découvrir l'Evangélion. Le si vous n'accrochez pas à l'histoire. Par contre, il faut lire l'histoire complète. Si vous lisez que deux volumes et vous arrêtez. Voilà, le but d'Evangélion, c'est l'évolution des personnages. Et euh, même si Shinji il a un peu une tête à claque par moment, on a envie de le baffer. Euh, voilà, c'est toutes les problématiques adolescentes qui passent à travers lui. Quoi. Donc, ouais, et tu fais bien, ouais, donc, euh, Asila, donc de, 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 de profiter de la nouvelle édition. Et oui, pro, procurez-vous la nouvelle édition. Pour, enfin, perso, les nouvelles éditions, elles sont super. Là, j'ai les vieilles éditions, moi, c'est plus par, par nostalgie, par souvenir qu'autre chose. Le jour où je vais relire Évangélion, je vais le lire sur la tablette. Hein, vous, vous, je ne rachète pas les nouvelles éditions parce que c'est un, un, euh, un trou financier. Hein, je, on peut pas, hein, au bout d'un Mais euh, honnêtement. Euh, Honnêtement, ce pas des, des éditions qui sont hyper agréables à lire. Hein. Il vaut mieux vous acheter les nouvelles. Hein. Clairement. Euh, les nouveaux films, j'aime moins que la série télé. Visuellement, ils sont magnifiques. Je les trouve plus fades que la série moins intense. Ils sont différents. Ils sont différents, les films. J'adore les films, mais ce n'est pas, pas la même chose. Et puis. Il y a beaucoup de scènes dans les films qui sont là pour faire plaisir aux fans, pour dire voilà, vous voulez des combinaisons sexy, je vous en ai mis, vous voulez des, des plans sur les culs des, des, des gonzesses, je vous en ai mis, vous voulez ça, je vous en ai mis. Et, et vraiment, on sent qu'il y a plein de parties pris très volontaires de, de, de l'auteur là-dessus. Et c'est. La nouvelle série de films, pour moi, elle n'est pas pour un nouveau public. Elle est pour un public qui adore Evangelion. Donc c'est pour ça, si vous voulez découvrir la série, le manga, après, vous l'avez plus loin, vous pouvez regarder la vieille série animée, mais moi, bon, je trouve qu'elle a quand même vachement vieilli. Et euh, à la limite, il vaut mieux taper dans, dans, dans les films. Quoi. Donc voilà. Euh... Ah, la nouvelle édition est très rigide. Ah oui, je vois, parce que c'est un peu comme les... C'est un peu comme les Perfect de Dragon Ball. Moi, j'aime pas trop au final la Perfect de Dragon Ball parce que il euh, y a un truc qui est collé sur le, le côté et quand on l'ouvre, il y a une sorte de, de résistance. C'est pas très agréable. C'est peut-être pareil aussi euh, sur, euh, sur ça. Et euh, je, ouais, je, je, pense que c'est ça. Voilà. Ouais, donc c'est ça. C'est bien rigide. Et ça, ouais, c'est un peu ces éditions euh, un peu luxueuses qui sont un peu trop rigides. Et donc, c'est, à trouver le bon compromis. Euh, je peux comprendre. Moi, je j'ai pas acheté, donc du coup, euh, j'ai pas pu. Euh, je peux pas te dire. Euh, c'est dans la même veine que Ghost in de Shell, non, ça n'a rien à voir avec Ghost in de Shell, euh, vraiment rien à voir du tout. Par contre, Ghost in de Shell, le film Ghost in de Shell, il est toujours aussi incroyable aujourd'hui, euh, moi je le, je le recommande, et j'ai pas les mangas, ça m'a jamais tenté, le graphisme du manga, euh, euh, sans plus, Ah ben, la mise en avant des commentaires ne veut plus marcher, tant pis. Mais euh, du coup, ouais, j'ai Mus, euh... non, non, c'est différent, totalement différent. Donc voilà, donc Evangelion, moi, je propose... Euh... Euh, je propose qu'on passe à la suite, parce que sinon, on ne euh, fera jamais les armoires. Hein, sinon on ne fera pas ce soir, mais... <laughs> euh, donc voilà. Non, il n'y a pas les, les contre-pages collées sur les couvertures des Perfect. Ok, ok, ok. Bon, alors c'est peut-être peut le côté, euh, la colle qu'ils ont mis, le côté rigide du livre. Ils ont voulu peut-être un petit peu euh, mettre quelque chose de plus renforcé, et ça rend le livre un peu trop rigide. Je, je peux comprendre, euh, donc voilà, donc Eva, euh, moi gros souvenir de d'enfance, c'est euh, ça, ça un truc culte pour toutes les personnes qui ont connu ça à l'époque et, euh, et les années qui ont passé. Pour les nouvelles générations, je suis pas convaincu que ça sera une œuvre culte, mais euh, Evangelion a de très très longues années devant lui euh, avant, de, avant que la hype tombe. Et euh, voilà. Par contre, tous les spin-offs Evangelion oubliés, c'est des dobs absolus. Moi, j'en avais lu euh, quelques-uns, j'ai vite arrêté. et, euh, et après voilà. Le, le manga, le manga toujours aussi cool. Mais je fais je ne conseille Evangelion presque à personne parce que je suis quasiment sûr qu'il y a peu de chances qu'il aime vraiment Evangelion comme nous, on a aimé à l'époque. Parce que quand tu regardes Evangelion et que tu es ado, tu as l'impression que ça te retourne la tête. Je pense qu'aujourd'hui, tu as l'impression que c'est beaucoup de, 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 de branlettes euh, philosophiques pour pas grand-chose. Voilà. Et je pense que c'est ça la différence c'est que quand tu vieillis, tu vois moins ça, alors que quand tu es ado, bah, tu as l'impression d'avoir lu une œuvre incroyable qui t'ouvre les yeux sur le monde, quoi. Et c'est ça en fait, hein, c'est ça qui c'est un peu un paradoxe Eva. Ça, ça, ça marche moins sur les nouvelles générations, mais ça reste quand même toujours un très bon truc. Et j'adore toujours autant les designs des des Eva, des des s'appelle des anges et même l'histoire. Voilà, je, je je la kiffe. Et d'ailleurs en gunpla les Gunpla, euh, j'aimerais bien m'acheter justement euh, euh, des EVA à faire, et euh, pour l'instant j'ai pas trouvé le modèle que je voulais et tout, mais j'ai vu, euh, voilà, j'essaye de regarder justement des, des EVA. Donc euh, ça, ça, ça serait un peu mon, mon kiff, j'aimerais bien peut-être prendre un EVA pour mon prochain Gunpla. Bon, il faut déjà que je finisse l'autre, je l'ai pas touché depuis, euh, depuis un mois et demi. Donc voilà, où, voilà où pour ça. Euh, je propose de passer à la suite, euh, la suite qui est un manga de Tsutsumu Takahashi. Et voilà. Donc là, je sais qu'Arnaud va se, va se réveiller. Donc, c'est une série que j'avais achetée euh, très certainement d'occasion à l'époque, que j'avais dû trouver euh, en trois volumes de l'auteur. Alors, j'ai plus beaucoup de souvenirs de cette, de cette histoire. Je sais que ça se passe dans un sous-marin, je crois, ou un bateau. Fais voir un peu. Le plus grand paquebot de luxe du monde, le Blue Heaven, croise. Sur l'océan, un bateau à la dérive avec à son bord deux survivants. Donc voilà, c'est donc sur un bateau. Euh, ok. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc, Tutsumu Takahashi, hein, euh, un auteur qui a de plus en plus de, de hype en France, hein, mérité, puisque c'est un auteur qui est capable de faire des, des, des récits euh, très, euh, très haletants avec des, des personnages. Euh, euh, excellent euh, des, des univers excellents et, euh, et donc <coughs> pardon et donc du coup euh, et donc du coup voilà, il avait fait il avait fait ça moi j'avais acheté je pense c'est devait être mon premier de l'époque je ne savais pas j'avais lu ça comme un auteur euh, euh, classique et en fait moi quand je l'avais lu euh, il m'avait pas marqué plus que ça euh, c'est à dire que je, je, vous voyez je ne je, je me rappelle même plus ce qui se passe et je pense que c'est peut-être un petit peu, euh, un peu court, c'est pour ça qu'il ne m'avait pas marqué euh, plus que ça, et où je m'attendais à autre chose, je ne rappelle plus. Mais euh, voilà, je n'ai pas le souvenir, en mode, ah, oh, ce manga était incroyable. Je l'ai gardé dans ma collection, en mode, ben, comme j'achetais beaucoup de livres, je, je l'ai lu, et je me suis dit, bah, je le, le relirai plus tard, euh, voilà, j'aimais bien donner une seconde chance à, à mes livres. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, bon allez, on va, on va lui donner une seconde chance, euh, euh, et je n'ai pas relu depuis. Donc voilà, mais vous pouvez voir un petit peu son trait. Moi j'avais adoré de cet auteur Détonation, hein, j'avais fait une critique dessus et j'avais dit que j'ai vraiment kiffé Détonation. Euh, j'avais beaucoup aimé Sido aussi, même si Sido est un petit peu long en volume, euh, c'était une très très bonne œuvre euh, de, de l'auteur. Et euh, je ne me suis pas encore attaqué au reste, mais il faudrait voilà, que, je, que je lise Baku and il fallait que je lise euh, ce qu'il a fait. C'est des super œuvres hein, de ce que j'ai entendu. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est le, euh, le temps qui manque. Hein. Vous savez que le, le temps est précieux. Hein. Tout le monde a, a ce problème-là. Oh <laughs> Merci Boris, il était bien placé. <laughs> donc voilà, c'était donc, euh, voilà, une œuvre qui était, qui était de mémoire voilà, euh, comme vous dis, vous dites dans le chat hein, sympathique mais pas indispensable. Elle ressort aujourd'hui sur, sur euh, chez Panini. Et euh, elle est en cours d'édition, donc voilà, n'hésitez pas à, la, à vous la procurer si vous voulez. Ma préférée reste aujourd'hui détonation. De ce que j'ai lu moi. Hein, attention, hein, je n'ai pas lu beaucoup de, de l'auteur. Euh, ah si, il y a aussi Soulkeeper, mais Soul Keeper, euh, pour l'instant, je suis un petit peu déçu de, de, de ça. Euh, je suis un petit peu déçu pour l'instant de l'histoire. Hein. Donc j'attends de voir où ça amène pour vraiment me faire un avis euh, définitif. Euh, donc voilà, donc, par contre, ce que je trouve Takahashi, c'est que c'est un auteur qui est... Euh, qui est, euh, comment dire, qui a beaucoup de, des fois de bonnes intentions, mais des fois, le, le scénario peut pécher un peu, par moments, ça arrive. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé ici, dans le, dans le 3. Bon, je ne vote pas plus pour ne pas, pas spoiler, surtout ceux qui n'ont pas lu le 3. Donc, voilà, quoi. Euh, je regarde un petit peu ce que vous avez écrit. Euh, donc, hop là, c'est ici. Voilà, donc, pas le plus marquant. Euh, euh, mais, détonation, c'est pas comparable. Bon, après, voilà, c'est... L'intonation, moi, je trouvais que c'était vraiment, vraiment génial. Quoi. Donc, ce n'est pas le même type d'histoire, hein. effectivement. Hein. Et en Reto est vraiment top. Pour ça, de toute façon, Charlie, j'ai entendu 15 fois les personnes me dire que c'était génial. Je, je, je les ai, enfin, je les ai en numérique, il faut que je les lise, mais je n'ai jamais passé le pas de, de le faire. Donc, ça, pareil. J'aimerais bien cette année me lire en Reto, mais comme, comme plein d'autres titres. Donc, voilà. Euh, ouais, donc Boris, tu le dis, voilà, il sera toujours en, en dessin qu'en scénario. Et c'est vrai que les scénarios pêchent un peu euh, par moment, mais euh, ça reste hyper intéressant à lire. Et c'est vrai que c'est plus un auteur que j'ai envie de collectionner en, en numérique aujourd'hui que vraiment avoir absolument toutes les œuvres. Puisqu'en numérique, tu peux vraiment l'avoir dans un grand format et apprécier son dessin, que très souvent ça sort dans des petits formats et c'est moins, euh, moins agréable. Donc voilà Blue Event, j'ai pas plus à dire parce que... Voilà, mais vous avez vu un petit peu l'ambiance, vous avez vu que ça, ça a l'air d'être... Euh, comment dire euh, Ça a l'air d'être euh, pas mal de tour de, 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 de thriller. Hein, avec beaucoup de rebondissements, d'action et de, et de suspense et de tension. Voilà, ça, ça a l'air d'être un manga avec beaucoup de tension. Donc euh, je pense qu'il doit quand même bien réussir l'exercice, mais peut-être en trois volumes c'est un peu court. Voilà pour, euh, pour celui-ci. Et donc, effectivement, comme tu dis, voilà, c'est euh, 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 ouais, est, quelqu'un qui s'attaque euh, qui, qui un peu à tous les genres sans se mettre de limites. Et effectivement, c'est ça qui est bien avec lui c'est que si on le, on le fait, en fait, on a de tout on a des mangas sur la boxe, on a des mangas d'action, des mangas des thrillers on a pas mal de, de, de styles différents, Et euh, du fantastique et tout. Et c'est ça qui est cool il n'a pas peur de s'attaquer à des styles, euh, à essayer de se renouveler en permanence. Et c'est ça qui est bien. Le dernier c'est sur la musique je crois, hein, qui, il a fait un manga sur la musique hein, en ce moment au Japon, qui arrivera très certainement en France, hein, je m'inquiète pas trop. En ce moment les auteurs, enfin les éditeurs j'ai l'impression qu'ils se battent un petit peu pour avoir euh, du, euh, du takahashi, donc c'est cool quoi. Alors, continuons. Si on continue, là c'est un vieux titre, qui a lu Dodd Hunt C'est un vieux vieux titre, hein. c'est... Un des premiers titres de Kiun, pas le tout premier, mais quasiment un des tout premiers, je crois. Euh, en tout cas, ça a été le premier où ils, ont, euh, ils sont allés chercher directement des auteurs au Japon. Donc là, euh, c'est Tetsuya Tsutsui, euh, qui, euh, euh, qui ont directement dessiné pour eux. Donc c'est un mangaka japonais qui a directement dessiné pour eux avant de passer par la case publication japonaise. Et donc du coup Dead Hunt, c'est le seul que j'ai gardé de, de l'auteur parce que je trouve qu'il a. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà critiqué quelques mangas de, de lui dans les lives et, euh, et je trouve qu'il a des défauts dans, dans ses histoires. Mais Dead Hunt, bon, il, est, il est usé. Hein. Euh, Dead Hunt, c'est un qui m'avait pas mal surpris. Je trouvais qu'en un volume, ça se tenait plutôt bien et, euh, et je trouve que c'était. Ben, assez représentatif de ce qu'il pouvait faire et, euh, et c'était... Euh, je je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je trouvais que même aujourd'hui, bien sûr c'est peut-être un poil court mais il se suffit à lui-même et euh, il a une conclusion qui, euh, qui était excellente euh, et je trouvais que voilà bah, c'est parfait finalement, j'en veux pas plus et à un volume tu le relis de temps en temps, tu te régales et tu passes à autre chose donc don't Hunt si vous avez le, la possibilité de le découvrir n'hésitez pas et on se retrouve avec un... un Comment dire, un gars de mémoire qui. Euh, euh, comment dire euh, Qui se fait un peu chier dans la vie. Et euh, il va tomber sur un jeu qui s'appelle le Dodd Hunt. Et en fait, ben, le but du jeu, c'est euh, s'entre-tuer et, euh, euh, et du coup, il, il va commencer à faire ce jeu. Donc c'est un jeu de survival, mais, mais bien avant l'heure hein, de la mode et survival. Et, euh, et donc, ils vont commencer à se. À se à, comment dire à, à se chasser et ils ont des, des quartiers particuliers, des horaires particulières et compagnie. Et on va suivre l'histoire de, de plusieurs personnes comme ça, enfin une personne, mais d'autres personnes en parallèle qui vont euh, comment dire agrémenter le, le, le récit principal pour faire une sorte de, de retournement de situation à la fin et euh, qui était très bienvenu, qui conclut parfaitement l'œuvre. Et donc voilà, on voit ce mec-là qui qui s'ennuie dans sa vie et euh, qui euh, voilà qui comment dire. Qui euh, euh, qui s'éclate en faisant ses euh, en faisant ses meurtres en fait, euh, ses meurtres ou du moins ses bagarres. Euh, donc voilà donc The Dungeon moi je vous le conseille je ne peux pas trop <coughs> vous en parler parce que c'est un c'est un manga qui est euh, <coughs> comment dire c'est un manga qui est très court donc vous dévoilez plus et vous dévoilez directement l'intégralité. Merci euh, Charnac pour l'abonnement pour l'abonnement le, le troisième mois déjà mais merci beaucoup d'être passé juste pour ça c'est très très cool. À très bientôt merci. Donc voilà, donc ça, euh, voilà, moi je, je vous le conseillerais en petite lecture euh, sans prétention. En plus, je pense que ça doit facilement se trouver euh, d'occasion. <coughs> le manga est assez, assez vieux maintenant. Vous voyez, c'est le vieux logo c'est vraiment, euh, vraiment sa date. Et donc je vous conseillerais, euh, si vous voulez, découvrir un petit peu cet auteur. Par contre, comme euh, ce qui est écrit euh, dans le chat, euh, voilà, il y en a certains, voilà, c'est un bon souvenir. Il y en a, voilà, comme on dit, c'est correct. Mais euh, comme Arnaud, voilà... Euh, euh, pas ébloui, voilà, donc euh, Boris qui le dit là, pas ébloui spécialement par cet auteur, et moi c'est euh, un peu le même problème. Euh, je sais que c'est un peu le même problème, c'est que j'ai jamais été ébloui, et j'ai quasiment tout lu, je crois que je n'ai pas lu le dernier, la Noise qu'il a fait, et voilà, le seul qui sortait du lot c'était Poison City, même si Poison City avait des, des choses où on pouvait euh, le, lui reprocher, mais euh, en tout cas, voilà, le... Poison City était euh, était un autre qui ressortait du lot. Je ne peux pas dire avec Noise parce que je ne l'ai pas lu, mais lui sortait du lot et ça montrait un côté euh, du Japon, notamment au niveau de la censure. Et j'en avais parlé. Euh, je crois que je l'avais critiqué euh, Poison City ou en tout cas j'en avais parlé dans, dans, dans un live un peu plus en détail. Donc voilà. Donc euh, Dead Hunt, moi c'est un bon souvenir. Je trouvais que c'était un bon un bon premier manga qu'ils avaient trouvé Kyou à l'époque. Ça s'est moins suivi après avec cet auteur parce que euh, il maîtrisait moins les récits longs et il faisait des personnages qui étaient assez plats, euh, avec des situations qui étaient euh, vraiment cousues de fil blanc. On, on savait déjà où ça l'amenait amené et tout. Et c'est dommage parce que les thématiques qu'il aborde sont excellentes, il trouve d'excellents sujets, mais c'est un peu un peu un peu plat, ça tombe, c est, c est, ça manque un petit peu d'intérêt quoi. Euh, donc voilà. Donc du coup, Dead Hunt... Euh, Bonne lecture, c'était cool à, à lire. Je vous conseillerais surtout celui-ci pour, euh, pour découvrir, euh, découvrir l'auteur. Euh, ou Poison City, à la limite, ça peut être une bonne porte d'entrée aussi. Allez, je propose qu'on attaque sur la deuxième rangée. Euh, ah, ben là, ça va être une spéciale ken. Hein. Alors, spécial Ken. Euh, du coup, au euh, couteau no Ken. Oula, série culte du club de Roté. Qui n'a pas lu au couteau no Ken Qui ne l'a pas lu <laughs> C'est exactement ça, merci Zeno. On aurait pu mettre Ken à la place. Bon, Ken, j'avais l'édition euh, J'ai lu à l'époque. Bien sûr, je suis un grand amoureux de Ken. Et Ken, ça fait partie de ses œuvres qui sont totalement assumées. Alors, il y a plein de trucs hyper intéressants en thématique et tout dedans. Euh, mais en termes de, de mecs, méga badass, viril euh, et tout. Euh, voilà, c est, c est, ça fait un peu le côté nanar, je sais qu'il y en a plein à chaque fois, ils sont là, c'est pas un nanar et tout, fait, pour moi c'est un gros nanar assumé, mais euh, c'est il euh, ultra jouissif à lire et c'est juste génial. Donc, euh, Ken, j'avais l'édition, j'ai lu et je m'en rappelle, bien sûr je regardais à la télé Dorothée et tout, hein, j'adorais ça, euh, surtout certains personnages comme Ray là, qui découpe et tout, ça c'était trop cool. Et en fait, euh, quand le premier volume de Ken était sorti, bien sûr, à l'époque, on n'était pas au courant des sorties. On, on allait en librairie et on voyait. Et je vois Ken qui sort, euh, non, qui, qui est affiché à la fin des jaquettes Gélus. Je ne sais pas dans Fly si je vais les trouver. Mais euh, Fly, ils sont on Fly, ils sont là-bas. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on achetait les Gélus mangas, Hop là, quand on achetait les jolis mangas, à la fin, quand une série terminée, elle était remplacée par une autre. Et là, il y avait donc deux séries, City Hunter et, euh, et Fly, qui s'arrêtaient, et on voyait Ken. Vous voyez, Katen Tsubasa et Orange Road. Et quand je vois ça derrière, je fais, oh mon Dieu, Ken y sort. Et ça sortait en, en septembre, le mois de mon anniversaire, je dis, mais le plus beau cadeau ever pour moi. Et j'ai acheté Ken. Je me suis empressé d'aller acheter Ken euh, et le découvrir en manga, et qu'est-ce que c'était bien! et je, du coup j'avais toute édition j'ai lu et sauf que je me suis fait un peu avoir par le côté marketing de l'époque en mode ah nouvelle édition plus beau beau papier et tout alors c'est vrai que il euh, a rien à voir en termes de qualité d'édition de, de cette édition là par rapport à à la j'ai mais en fait du coup j'ai vendu ma j'ai lu pour acheter celle là que je n'ai jamais lu il hein. faut savoir que je n'ai jamais relu cette édition là et je suis euh, je suis un peu blasé aujourd'hui parce que euh, du coup, je n'ai plus mon édition de l'époque. Et le volume 1 avait un problème. Il y avait des, feuilles, des feuillets qui étaient inversés. Et du coup, j'aimais bien ma version avec mes feuillets inversés. J'avais jamais fait remplacer les livres parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait faire remplacer les livres. Et donc aujourd'hui, j'ai celle-là. Donc c'est sûr que j'ai aucun affect avec cette version-là. Je n'ai pas racheté l'édition de luxe parce qu'elle a eu des problèmes de page, Le volume 1 est ressorti deux fois. Il y avait toujours des problèmes et tout. J'avais abandonné. J'ai fait c'est bon. Je vais pas acheter une version euh, dans laquelle il y a des problèmes. Et donc, du coup, j'étais euh, là et je n'ai jamais racheté l'édition que j'ai lu. Et aujourd'hui, euh, c'est assez cher à racheter. Donc, euh, je sais que Zeno, des fois, m'avait envoyé des annonces. Et euh, eh, au fait, il y a celle-là et celle-là. Mais j'avais pas envie de mettre 200 balles euh, dans, dans une série de livres que, juste pour les posséder. Donc, euh, voilà, je préférais mettre, euh, mettre mon argent ailleurs. Donc, du coup, voilà, si, si je tombais sur une bonne occasion, euh, pourquoi pas. Mais ça commençait à, à faire chez Ross. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de cette édition euh, de Ken parce que je n'ai jamais euh, lu les autres, quoi. Euh, donc, toi, voilà, ben, Zeno tu, ça a bien vieilli en tout cas. Euh, toi, tu n'as jamais lu Ken, mais tu as regardé Ken au club d'eau. Ok. Et, euh, et Ken, c'est un de tes mangas euh, euh, favoris. Euh, ok, parce que tu ne pas le doublage FR. Euh, donc, voilà. Donc, il y en a plein qui lit la nouvelle édition, etc. Euh, et voilà donc hop là je vous porte un petit peu et donc en gros euh, pour ceux qui ne connaissent pas Ken ça se passe euh, l'an 2000 X enfin voilà c'est même pas l'an 99 X il y a une bombe atomique sur Terre et euh, du coup le monde est ravagé et de ce monde ravagé euh, ben, c'est que les voyous etc et euh, l'argent n'a plus ne fait plus foi mais c'est l'eau en fait qui euh, l'eau et les ressources qui euh, qui euh, qui sont là et on va rencontrer donc Ken Ken qui est euh, un expert du okutono Ken un art martial qui euh, en, en touchant les points vitaux font exploser les personnes et euh, il erre dans le désert parce qu'en fait il s'est fait chourer sa meuf euh, par son, son ancien euh, ami slash rival euh, qui euh, euh, comment dire qui euh, euh, voilà qui par jalousie euh, lui a volé et donc, il se retrouve à errer dans les villes à essayer de retrouver euh, euh, sa nana. Euh, et c'est un déluge de corps qui explose et de scènes ultra mythiques avec plein de, de lueurs d'espoir et de messages, euh, sur, comment dire, de, de messages optimistes et positifs dans un monde ultra ultra dur euh, dedans. Et un combat de gros mecs barraqués BDSM euh, qui... Euh, euh, qui pleure euh, euh, à grandes larmes <laughs> c'est toujours génial euh, de l'amitié très virile euh, où là attention hein, euh, on, est, on, est, on est des hommes euh, des vrais et c'est ça que j'aime dans Ken c'est que ça, ça va tellement loin dans l'exagération que c'est juste génial quoi. Euh, voilà. Par contre c'est ultra assez gore hein, c'est ultra gore hein, euh, des têtes découpées, des trucs découpés voilà et voilà ça c'est son, son rival Shin euh, derrière et donc du coup franchement Ken, ah ça c'est sa meuf à Ken, voilà Julia. Et donc du coup Ken, c'est un, un manga effectivement, je, je, ça fait six mois, je vous dis je veux le relire, je, je l'ai toujours pas relu. Hein, et là je suis en train de je suis en train de lire autre chose et maintenant j'ai envie de lire Dragon Ball quoi. Donc du coup je sens que je vais encore passer à côté, mais il faut que je me lance dans Ken parce que euh, c'est c'est enfin que je me, que je le relise. Euh, en plus je pense à se lit assez vite hein, parce que voilà c'est Ken quoi. Ken c'est juste incroyablement excellent euh, les ennemis sont excellents euh, l'auteur, enfin ils sont deux hein, ils développent euh, l'univers au fur et à mesure ils rajoutent des, des étoiles à gogo, euh, des, des nouveaux ennemis et compagnie et euh, l'œuvre se divise en deux grosses parties où, euh, où ces deux petits acolytes là, euh, je m'en rappelle euh, la gamine Lynn et Bat euh, sont, plus, sont jeunes et après ils sont, euh, ils sont ados et donc du coup euh, ça se divise en deux grosses parties et c'est un plaisir à lire, à découvrir les personnages au fur et à mesure. Et les personnages ils sont ultra, mais ultra mythiques, euh, notamment Rao. Et en fait, voilà, on découvre ses frères, Aken, on découvre euh, tous les, les, les rivaux des Étoiles du Nanto, qui est le clan rival du Hokuto. parce que dans le Nanto, il euh, y a plusieurs, il euh, plusieurs branches, alors que dans le Hokuto, il n'y a qu'un seul héritier, voilà, qui pose pas mal de problèmes euh, du coup derrière. Et donc voilà, donc c'est toute une galerie de personnages, et c'est c'est juste incroyable. Je ne sais même pas quoi dire en fait sur Ken parce que c'est une expérience en fait à lire. Je pense que par contre ça dure un peu trop. L'auteur aurait dû savoir euh, s'arrêter. Il faut savoir que les personnages, par contre, il ne faut pas chercher du réalisme. Hein. Les mecs qui font euh, 3 mètres de euh, 3 mètres de haut euh, euh, derrière euh, et donc voilà, c'est. Il ne faut pas chercher euh, le, 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 comment dire le réalisme et puis ça coule à flot hein. le sang. Euh, ils ont, je pense qu'ils ont à peu près 87 litres de sang dans, dans le corps, hein, à peu près. Tous. Et c'est juste, juste euh, incroyable. Voilà, Regardez-moi comme il est beau, il est bien musclé. Voilà, du sang comme ça, tout le temps. Euh, donc voilà, donc du coup, Ken, lisez-le. Lisez Ken. Alors, je sais que la nouvelle édition de Crunchy, elle elle pique un petit peu, euh, à 15 euros. Mais euh, voilà, ça, ça vaut le coup, en tout cas. Je pense que Ken, c'est une série qui vaut le coup d'être suivie euh, au fur et à mesure, c'est le petit, le petit manga popcorn. Euh, voilà. Clairement, euh, à choisir entre Ken et Baki, je préfère Ken. Hein. Euh, Baki, euh, euh, Baki, je vous dis, moi je me suis ennuyé parce qu'après c'était en tournoi, la deuxième partie de Baki, alors que là, l'histoire, elle continue, et continue à, à avoir des nouveaux ennemis, euh, etc. Quoi. Et j'avais trouvé toi, pas mal d'occas à l'époque, 4 euros. Hop Je vous montre un petit peu là, volume 20 par exemple. Alors il faut savoir que la GELUF fait 27 volumes. Euh, la la casée en fait euh, 26. Il y avait un petit rechapitrage. Et après, les dernières, c'était quoi C'était 14. Hein, c'est ça, Zeno Tu te rappelles le, la pagination la, Enfin, le nombre de tomes de, de, la, de la, la Deluxe. Et la nouvelle, je crois que c'est 18. Je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. De mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on a marqué Au couteau de cuisine. Euh... Ouais donc machin était le frère de truc il avait trahi ou mais c'est que ça c'est que des trucs là et la deuxième partie c'est oh il y a un frère caché de je sais pas quoi enfin l'histoire et cacao sol, on s'en fout quoi c'est pas pour ça que tu le lis quoi <laughs> la seule série lizzie de Buronson. <laughs> uh, raoul aussi uh. donc raoul en français raoul donc voilà donc mais raoul incroyable uh, donc voilà uh, donc uh, en tout cas uh, euh, en tout cas, voilà, c'est très bien. Et, et du coup, comme c'est un univers qui est assez riche, il y a eu pas mal de spin-off. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas tous les spin-off, nous, en France, mais il y a des spin-off qui sont sortis. Et notamment, par exemple, on va commencer par la légende de Rao. Et donc, la légende de Rao, euh, du coup. Pardon, pff, je ne peux pas sur les bons trucs. Euh, la légende de Rao. Et en fait, euh, ce n'est pas l'auteur qui l'a dessiné. Vous voyez, le dessin est totalement différent. Et ça va raconter... Alors, c'est des spin-offs, c'est-à-dire que c'est des spin-offs qui ne sont, euh, sont pas du tout indépendants de Kutono Ken. C'est-à-dire que là-dessus, il faut avoir lu Kutono Ken pour comprendre les spin-offs, pour comprendre quand ça se passe. Et comme l'œuvre originale est, est focalisée sur Ken, il y a des... Euh, il y a des... Euh, comment ça s'appelle euh, des, euh, tous les passages, en fait, partout où Rao, lui, est en train de, de conquérir le monde par sa force, euh, et il veut faire un monde dominé par la terreur pour que la paix revienne. Donc, il a, il a un bon fond, hein, euh, sur, sur le principe, hein, mais c'est que euh, il veut juste tout détruire. Et bien, en fait, on va le suivre dans sa quête pendant que Ken. Là, donc, de temps en temps, ils vont se croiser. Euh, pendant que Ken est là-bas, qu'on apprend dans Ken, genre, cette ville a été envahie par euh, Rao, et là, en fait, on voit qu'il a envahi la ville. Je trouvais que c'était. bien sûr, c'est comme d'hab, hein, les spin-off, ça reste toujours facultatif et, et dispensable, mais je trouvais que c'était très cool. Alors là, il trouve son cheval, là, qui est immense, le cheval à la hauteur de ses ambitions, euh, etc. Et je trouvais que c'était euh, un bon spin-off. J'étais content de l'avoir euh, lu. Le dessin n'est pas fou, il n'est pas incroyable, mais j'étais assez content quand même de, de l'avoir lu. Ce n'était pas un mauvais spin-off mais ça reste quand même dans, euh, dans le kiff au Kutuno Ken. Si Ken pour vous, euh, voilà l'œuvre de base vous suffit, vous lancez pas dans les spin-offs, hein, vous ne kifferez pas plus que ça. Par contre, si vous avez envie d'aller plus loin parce que vous surkiffez Ken, je pense que c'est des bonnes œuvres, euh, enfin des œuvres qui sont toujours cool à lire et qui sont sympathiques. Euh, donc voilà, donc ça c'est le ce que je peux vous dire sur, sur Rao. L'ultimate, c'est 14 volumes, ok, sur l'autre. Voilà. Et la nouvelle, je crois que c'est 18, euh, je crois. Euh, voilà. Et Baki, c'est bien, mais euh, la moitié de la première saison. Hein, donc, euh, je ne sais pas combien ça fait dans la nouvelle, mais euh, voilà, c'est tout. Après, quand ils reprennent le tournoi, ça, ça, ça tombe à plat. Quoi. Enfin, En tout cas, moi, je n'étais plus dedans. Euh, voilà. Euh, je pas vu, je ne savais pas qu'il y avait un animé du, de, de ça. Euh, je peux comprendre, Boris, ça t'intéresse pas, hein, sans les dessins de Dohara. Euh, c'est vraiment, comme je dis, hein, c'est vraiment pour les fans hardcore de l'univers de Ken, pour, euh, pour continuer à découvrir. Euh, D'ailleurs, celui-ci, la légende de Ray, Ray, c'est un personnage que j'adore. Vraiment, est, il, est, il découpe en fait les gens avec ses ongles et tout. J'adorais sa technique quand j'étais plus jeune. Euh, je je, je limitais bien entendu, mais ça ne marchait pas. Je découpais personne. Et ben du coup, euh, celui-ci par exemple est ultra naze. Voilà, autant les autres sont bien, celui-ci il est ultra naze. Et euh, oui, Bacon est un peu long hein, ce que je disais hein, 27 volumes. Euh, il aurait dû s'arrêter un peu avant. Et en plus, c'est un ray qui est, euh, je sais pas, il est très, euh, il est un peu vicieux, je crois, de mémoire. Je sais plus, je sais plus trop. Il y a beaucoup de, de d'ana à poil dedans. Et je trouvais que c'était pas intéressant en fait. C'était vraiment pas intéressant. Je l'avais lu les, les personnages ultra sexualisés et tout, c'était pas intéressant. Euh, donc voilà, voilà, là il est... Il... Voilà, une petite scène sympathique. Hein, comme vous pouvez voir. Avec une nana qui... Oui, euh, après l'étranglement, un petit bisou, hein, on sait que voilà, les nanas adorent ça. Ah ben voilà, du boobs, du cul, il y a tout. Et donc je trouvais que c'était pas du tout en accord avec le personnage. Euh, J'étais très très déçu de la légende de Rey. Et là, c'est vraiment 5 euh, volumes. Euh... <laughs> Merci Boris. <Maurice. rire> je savais qu'il allait vous plaire celui-ci. Euh, du coup, voilà, c'est un personnage. Euh, je trouvais que ce spin-off était vraiment dispensable. On n'apprend rien de plus. Et surtout, ouais, euh, juste des nanas à poil. Hein. Et surtout, ça. Hum... Je sais pas, c'est un peu gratuit en fait. Donc euh, celui-ci, vous pouvez passer totalement à côté, regardez-moi regardez ça. Incroyablement nul, même pas je l'ouvre. Euh, voilà, donc je l'avais lu une fois, et typiquement c'est le genre de spin-off, euh, je vais le relire un jour, mais je sens que je vais le, le dégager, parce qu'en fait, il n'apporte absolument rien. Voilà, si un jour je trouve une version euh, euh, scan dégueulasse, euh, je, je m'en contenterai. Euh, c'est un peu ça. Euh, par contre, il euh, y avait un autre, c'était la légende de Julia. Donc il n'y a qu'un volume sur celui-ci. Euh, et ça revient justement sur Julia, un côté plus shoujo, vous voyez, dans le dessin là. Et euh, c'était pareil, c'était pas indispensable. C'était pas mal, mais euh, ça apportait un peu plus de, de profondeur au personnage. Mais comme Julia est très sous-exploitée dans, dans la série, ce pas ça qui allait réellement la, la remettre en avant et la valoriser. Euh, voilà. Et, et d'avoir pris le côté un peu plus chojo, plus féminin. Je ne sais pas si euh, ça aide vraiment l'œuvre euh, euh, de ce côté-là, alors que les autres ont un côté un peu plus euh, viril, je dirais. Ouais, même les poissons d'argent ne veulent pas, Boris. Mais c'est fou, hein. c'est vrai en plus. C'est vrai. Donc voilà, Julia. Euh, J'ai plus trop de souvenirs dessus, mais pas marqué. Euh, donc euh, c'est pareil, c'est pas celui que je vous conseillerais de lire en premier. Par contre, l'autre qui était cool. Donc il y avait Rao qui était bien et Toki. Toki était très cool. Donc Toki, qui a des dessins qui sont déjà bien plus sympathiques. Euh, Toki, je, je trouve très bien les dessins. Vous voyez euh, Et lui, il était pas mal. J'avais bien aimé l'histoire, euh, justement, qui, auquel il développait Toki dedans. Donc, c'était pas mal pour en connaître un petit peu plus sur les, les personnages. Euh, voilà, après, c'est pareil, hein, ça suit l'histoire de Gutonoken. Hein, donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Toki, euh, enfermé, dans, enfermé en prison, euh, avec le faux Toki, etc. Donc euh, voilà, ça. Euh... Mais le jour où je me referai Ken, je me referai ces spin-off. Et je verrai hein, si, euh, si je les garde ou pas dans, dans, dans... au final. Euh... Et je pense que ces spin-off n'ont pas du tout fonctionné à l'époque. Parce qu'il y a d'autres spin-off on l'avait vu, on avait fait un live, on avait vu tout. Et euh, du coup, euh, euh, ce personnage-là, donc le, un des frères de, de Ken, a le troisième frère du couteau, Jaggi. Il. Et... Il a eu droit à son spin-off en deux volumes de, de mémoire et il n'est jamais sorti. Donc voilà. Euh, donc ça c'était les spin-offs de Ken et on a terminé avec Ken. C'était incroyable. Incroyable. Bah, je ne fais pas plus sur Ken hein, parce que je pense qu'on en reparlera bientôt. Euh... Ah, c'est l'autrice de Bleu... Be... ah, Butterfly Beast, je ne savais pas. Eh bien, son dessin est très cool. Je trouvais son dessin très cool. Eh ben, Je savais pas que c'était elle. D'accord. Ah, J'aurais dû me faire dédicacer mon, mon Butterfly Ibis alors à la Japan Expo. Je ne l'ai pas fait, j'avais la flemme. Euh, donc voilà. Oui, on est loin du Lézard noir. Hein. Ah, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. C'est beaucoup plus moche dans les œuvres de Lézard noir, c'est ça <laughs> Donc voilà. Donc du coup... Euh... Ken, vous pouvez y aller. Moi, je trouve que c'est une série qui marche encore aujourd'hui, qui est toujours aussi euh, incroyable dans son, dans son rendu, dans, dans, visuellement, les histoires et tout. Euh, Faites-vous plaisir avec Ken. Par contre, euh, bah, les spin-offs, c'est vraiment euh, les fans hardcore. Allez-y si vous voulez vous faire plaisir. Il y en a qui sont cool, il y en a qui sont très très mauvais. J'adore Ken. Je ne sais pas si à terme je garderai tous les spin-offs, mais typiquement, moi les spin-offs, une version numérique me suffirait amplement. Et, euh, et donc du coup... Euh, euh, bah du coup voilà. Alors c'est pas une étagère, euh, Boris, c'est une bibliothèque. Une étagère, c'est une rangée. Donc voilà, si tu veux jouer avec les mots, moi aussi. <laughs> voilà, Ken, c'est bon. Qui achète Ken, du coup Dites-moi en commentaire. Voilà, on a déjà on a des darons nous. Exactement. Exactement. Trop cher pour moi Matojora. Mais il y a des versions numériques, je crois. Qui sont, qui sont accessibles. De mémoire. De mémoire. Eh bien écoutez, on va passer sur un euh, euh, autre manga euh, extrêmement viril. Donc tu achètes une nostalgie. Voilà. Que tous les volumes soient sortis, Thomas. Je sais pas si euh, c'est une bonne idée d'attendre tous les volumes soient sortis. Euh, je pense que c'est bien Ken, je ne vais pas dire peut-être de le lire au fur et à mesure, mais, mais de le lire, genre au moins le, la première partie, faire une pause et ensuite lire le second arc. Ouais, je pense que c'est mieux Thomas, parce que tu risques de saturer. Au bout d'un moment, c'est bien Ken de faire des pauses quand même. Euh, surtout que Ken, l'avantage, c'est que c'est souvent des petits ennemis, ça dure un ou deux volumes maximum et ça passe à autre chose. Et donc je pense que c'est bien. Donc voilà. Euh, donc très bien, alors on passe sur un manga euh, très viril, euh, on, on est dans les muscles, on est dans les, euh, dans les hommes, les vrais. Et donc du coup cette fois, on va parler du mari de mon frère qui sont à côté de Meken. Voilà, vous avez vu comme je fais des, je fais des, euh, des, euh, des, des, des belles transitions, hein, c'est incroyable, et j'ai euh, regroupé euh, les mangas par muscles. Voilà, j'ai fait une catégorie gros musclés. Voilà, les musclés sont là. C'est donc le mari de mon frère, j'ai lu ça. Alors, il faut savoir que Gengoro Tagame, habituellement... C'est le spin-off de son brut exactement. Euh, il faut savoir que c'est euh, un auteur à la base qui fait euh, des titres euh, BDSM euh, euh, gay euh, assez, euh, assez hardcore, hein, avec des, des mecs bien poilus, des daddies bien poilus. Et euh, aujourd'hui, il fait du manga qui est beaucoup plus grand public, beaucoup plus pédagogique, et euh, notamment le Mari de mon frère. Et je trouvais que le Mari de mon frère, justement, c'est un bel exemple. Euh, je suis quelqu'un qui reste assez ouvert euh, sur toutes ces, euh, tout, tous ces sujets-là, euh, etc., euh, via mon entourage qui euh, est très informé euh, là-dessus. Et, euh, et justement, en le lisant, je pensais euh, ben, être quand même assez bien informé. Et en le lisant, ben, en fait, j'ai découvert des choses qui sont euh, très, euh, très intéressantes et euh, qui m'a fait ouvrir les yeux sur certains points auxquels je, je pensais euh, euh, des choses un petit peu acquises ou des, euh, des choses... Euh, qui me semblait normal, et on et dedans on montrait que ben non en fait c'était pas la bonne façon ou il euh, y a autre chose. Et en gros l'histoire du mari de mon frère, l'histoire voilà, du mari de mon frère, c'est c'est euh, donc ce personnage, j'ai oublié les noms, euh, voilà, c'est Mike, euh, un Canadien, d'accord, qui va se retrouver au Japon. Avec euh, le frère jumeau de son de son mari qui est décédé en fait et ils vont vivre ensemble donc il va vivre avec son frère et, euh, et sa fille euh, et donc du coup lui qui était très réfractaire à euh, tous les sujets d'homosexualité qui a jamais vraiment euh, accepté son frère ou compris son frère et eh bien au contact euh, justement de, de son beau-frère et euh, eh du coup euh, bah, il va s'ouvrir sur ces questions là et comprendre et vraiment c'est un manga que je vais euh, conseiller à tout le monde euh, puisque il est très, euh, euh, comme je dis, il est très pédagogique, il est très bien écrit, euh, l'histoire est très touchante, euh, sans taper euh, dans, le mélo, euh, dans le mélodrame à vouloir vous faire pleurer, etc. C'est pas du tout l'intention du manga et en fait il va, euh, grâce bah, aux situations et de manière très naturelle et très fluide, euh, vous parler des différences de culture, vous parler de euh, justement de toutes les, toutes les thématiques sur la sexualité. De, dessus et je trouve que le, le tagame a réussi à faire un super travail et c'est typiquement le genre de livre qui devrait être dans, euh, les, dans les CDI, qui devrait être dans les bibliothèques, euh, que, qui, que vous pouvez offrir à, à des personnes qui ne connaissent pas trop sur le sujet euh, et c'est un moyen très euh, euh, très euh, comment dire facile euh, d'accès et voyez ouais, le manga n'est pas euh, et pas, et pas lourd à lire. Il y a des textes justement qui expliquent euh, plus en détail certains, euh, certaines parties, euh, enfin certains symboles, euh, etc. Euh, voilà. Et dedans il n'y a aucun, euh, aucune scène euh, du coup de sexe derrière. Alors par contre il y a quelques petites douches de, de d'Adi euh, Beer, euh, voilà comme il aime en dessiner, mais ça, ça reste très soft, hein, comme vous voyez. Euh, C'est très. Euh, euh, comment dire c'est beaucoup de bienveillant, voilà, c'est très bienveillant. J'arrive pas à trouver le mot. C'est très bienveillant, c'est très touchant euh, au travers des personnages, des petites scènes de vie. Euh, voilà, même l'autre, voilà, la, la, la tristesse d'avoir perdu ben, son, son mari, etc. Euh, alors que lui, il vient d'un mariage euh, hétéro classique et, euh, et il est divorcé. Hein, donc c'est un peu ça le, c'est un peu ça le truc. Hein. Euh, donc voilà, c'est bien d'opposer justement voilà, petit cours de culture gay euh, de ce côté-là. Et c'est cool en fait d'avoir ça quand le, Je le relirai avec plaisir parce qu'avec le temps, on, 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 comment dire, avec le temps, on oublie aussi euh, ce qui est a écrit. Mais euh, voilà, c'était une très 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 bonne surprise. Je suis très content de l'avoir eu. Et celui-là, ce n'est pas un livre que j'ai envie de revendre en fait. C'est un livre que j'ai envie de, de revenir dessus et, et de, de rafraîchir un petit peu la mémoire euh, sur euh, ben, les sujets qu'il aborde. Voilà les sujets qu'il aborde et je vous le conseille très très fortement. C'est vraiment, euh, c'était un petit coup de cœur quand j'ai lu, je trouvais que c'était un très bon représentant en tout cas. Enfin, euh, moi je ne suis, suis pas touché par ces sujets-là directement, mais euh, j'avais l'impression en tout cas que c'était un, un très bon représentant euh, euh, pour véhiculer des messages positifs, euh, euh, plus optimistes et surtout qui, qui expliquent et qui euh, permettent aux, aux personnes réfractaires euh, de sur, sur ce sujet-là, de, justement de s'ouvrir et comprendre que bah, euh, les personnes sont comme vous et moi, hein, Tout simplement, ce sont les, les mêmes, et c'est pas leur sexualité qui les définit, euh, c'est eux, et voilà. Donc c'est ça qu'il qu faut, euh, euh, comment dire que le, le, le message véhicule quoi. Donc voilà, le mari de mon frère, quatre volumes seulement, et c'est vraiment très très bien. Est-ce qu'on ressent certaines différences culturelles à ce sujet, du coup? Ben C'est une bonne question. Je sais qu'on va... Euh, il y aura les différences culturelles surtout entre ben lui euh, qui est hyper baraqué, euh, canadien, donc il y a quelques différences culturelles de ce côté-là. Euh, par contre, j'ai plus souvenir, honnêtement, pour te répondre à cette question-là, s'il y, euh, euh, voilà, si y, enfin, si y a vraiment ça. Par contre, la petite, elle, va beaucoup servir de... Elle qui est entre guillemets qui n'a pas de... Euh, qui n'a pas de biais cognitif, qui n'a pas une éducation, qui l'a, euh, euh, comment dire, matrixée, euh, une société qui l'a matrixée, bah du coup elle, bah, euh, voilà, tous ces sujets-là, ça ne lui, euh, ça, ça, ne la perturbe pas du tout. Au contraire, elle trouve ça normal, parce que bah, justement on y a jamais dit, bah non, c'est pas normal. Donc c'est ça qui est qu intéressant justement, d'utiliser la nouvelle génération pour montrer que attention, euh, la nouvelle génération, voilà, elle est pas, euh, elle est plus, beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Euh, donc voilà, donc je ne sais plus, mais en tout cas voilà, je vous le conseille de... très fortement. Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Après je crois qu'il y en a un, c'est Hour Color Days, un truc comme ça, euh, qui est aussi pas mal, je ne l'ai pas lu, euh, mais apparemment il vaut mieux quand même lire le mari de mon frère, c'est un petit peu mieux euh, un petit peu mieux quoi. Enfin euh, un petit peu mieux. L'autre était un petit peu plus euh, gentil apparemment de ce que j'ai cru comprendre. C'est les retours que j'avais eu. Hein. Euh, voilà pour, euh, pour ça. Euh, J'en profite puisque là il y a des petits messages qui sont euh, apparus. Euh, N'oubliez pas que voilà vous, si, ça vous, si le contenu vous plaît, euh, vous pouvez soutenir la chaîne par plein de moyens différents, euh, notamment ben, euh, rien que commander vos mangas via les liens affiliés, c'est quand même plutôt cool. Euh, que ce soit sur Amazon, BDFugue euh, ou même sur Rakuten, et Rakuten vous avez même 10 euros à gagner donc ça peut être très cool. Et sinon sur le Patreon, hein, le Patreon euh, à partir d'un euro par mois, c'est même pas le prix d'un café que vous pouvez offrir à un ami. Donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, pas cher du tout, c'est à partir d'un euro et vous avez des vidéos exclusives, vous avez pas mal de choses cool euh, dessus. Et, euh, et du, voilà, surtout voilà, vous avez du contenu exclusif, l'occasion euh, des fois de faire des lives privés, j'aimerais bien euh, en mars euh, refaire un live privé euh, euh, avec juste les patriotes, donc ça sera l'occasion. Euh, je, pense, je pense que je le ferai en mars euh, en étant revenu euh, tranquillement de, de, de tout ça. Euh, donc voilà. Et les derniers posts Patreon sont mémorables, effectivement. Voilà. Et en plus, ce Patreon à Noël, euh, je rappelle, il y en a qui ont gagné des cadeaux, euh, c'était pas prévu. Et puis hop, le matin de Noël, ils ont gagné un manga. Donc ça, c'était quand même plutôt cool pour tout ce qui était abonné. Et certains étaient abonnés depuis pas longtemps. Donc voilà, donc, euh, si vous aimez mon travail et les, les soirées, enfin voilà tout ça, c'est l'occasion de, de, de soutenir. Euh, voilà, ou même, euh, voilà, vous avez, les, vous avez les subs sur Twitch, vous avez plein de moyens de, de soutenir. Moi, je remercie tout le monde qui me soutient à chaque fois. Vous êtes de, de plus en plus nombreux et c'est très cool. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voir un petit peu les, les bonus. Euh, et euh, voilà, c'est juste un euro par mois, donc c'est vraiment, vraiment tout petit en somme. Je pense que voilà, c'est. C'est pas ça qui changera votre budget à la fin du mois et qui vous empêchera d'acheter des mangas. <laughs> en tout cas, voilà, c'était le petit message promo pour ça. Voilà, au moins, voilà, si vous commandez sur Amazon, tout ça, passez par mes liens affiliés. Euh, C'est toujours cool puisque du coup, j'ai une toute petite rémunération. Mais euh, vu, enfin, si on multiplie par nos commandes, ça peut faire une petite somme. Bon, aujourd'hui pour l'instant, euh, voilà, j'ai pas, pas touché grand chose dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Je vous propose de passer au manga suivant qui va clôturer cette deuxième rangée. On aura fait deux rangées, hein. c'est que 10h30, c'est cool. Alors, le prochain, c'est un vieux manga que j'ai gardé depuis très très longtemps. Et c'est Tekken Shinmi. Qui a lu Tekken Shinmi Chez euh, J'ai lu. Qui a lu ça Kung Fu Boy Shinmi. Qui l'a lu celui lucien alors celui-ci, il faut savoir qu'à l'époque où je l'ai acheté, je cherchais à faire une série sur les arts martiaux. Puisque à l'époque, quand je découvrais le manga, j'essayais un petit peu des fois euh, d'aller vers un différent style. Et j'avais deux choix. Soit j'achetais Ranma 1 et demi, soit j'achetais Tekken Shinmi. Et Tekken Shinmi, il euh, y avait une boutique qui vendait des mangas et ben, je leur demandais conseil du coup. Et les mecs, ils me font Prends Tekken Shinmi, euh, c'est très bien. Et, euh, et il les avait en, fait en stock, donc du coup ben, je, 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 prends, je, je, je prends les 12 volumes, euh, ou 10 volumes, je ne sais plus combien il y avait, ouais, je crois que 12 volumes, euh, je prends les 12 volumes et je dis, bon ben, cool, comme ça elle fait que 12 volumes, et, que, et derrière, vu que Randemal en fait 40, enfin 38, ça sera très bien. Et euh, je les lis, et j'arrive à la fin, et il n'y a pas la fin. Ah, euh, ben, c'est pas fini en 12 volumes. En fait, ça fait 36 volumes. Et euh, ben je, retroune, je, je, je retourne au magasin et tout. Et euh, je dis, ben voilà, euh, j'aimerais la suite, est-ce qu'elle est sortie Et là, ils me font, ah mais ils ont arrêté la série. Ben, comment ça, ils ont arrêté Vous me l'avez vendu Ah ben oui, mais ils ont arrêté la série, il n'y aura pas la suite. Hein. Et en fait, ces bâtards, ils m'ont vendu leur stock, quoi. Ils m'ont vendu leur stock. En gros, euh, tiens, euh, hop, c'est débarrassé, tu la voulais euh, Alors qu'ils avaient Ramma aussi, hein. Et j'ai fait, mais, 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 Des vraies putes, quoi. <laughs> Mais vraiment, <laughs> ah, c'était c'était juste incroyable le niveau de puterie de cette de cette boutique. Ils m'ont, mais j'ai des histoires avec eux. C'était c'était n'importe quoi. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec Tekken Shinmi et je suis très content de les avoir parce que Tekken Shinmi c'est euh, c'est excellent. Moi, j'adore Tekken Shinmi. Et donc du coup, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est et même si c'est pas complet, et eh ben j'en garde toujours un très bon souvenir parce que c'est à l'époque où j'ai lu essayer de, bah, de se divertir de divertir de, de, de divertir de ouais, enfin d'agrandir leur catalogue hein. et, euh, et donc du coup euh, ils essayaient ça et euh, et ils, ils arrêtaient de taper dans les licences Club Do parce que je veux dire ils avaient fait le tour un peu des gros succès et c'est là où ils commençaient à essayer de faire autre chose et Tekken Shinmi c'est un manga d'arts martiaux qui est un dessin très rond très simple mais ultra efficace mais vraiment ultra efficace hein. c'est-à-dire que tout euh, la décomposition de, de, des, des mouvements et tout est vraiment euh, super et en gros euh, c'est un petit euh, je sais plus de quand ça date 84 donc c'est un peu la même époque que Dragon Ball hein. et, euh, et donc du coup c'est un petit garçon qui euh, apprend les arts martiaux en gros hein, pour vraiment euh, euh, là et il va passer de maître en maître alors c'est un côté un peu humoristique et il va passer de maître en maître pour apprendre des techniques pour être de plus en plus fort et ça reste un, voilà, un, ga, un garçon euh, euh, très sympathique, euh, et voilà, l'auteur arrive à très bien découper les mouvements et tout, et il y a des, euh, il y a des techniques où, ce qui est intéressant, c'est qu'à qu chaque fois qu'il change de maître, à chaque fois qu'il pense avoir compris les arts martiaux ce que c'était, et eh bien en gros, on lui dit, ben non, en fait, euh, les arts martiaux, c'est ça, et de temps temps, il va se retrouver à devoir méditer, ou la voilà, désignime, genre il doit couper la lune en deux, il ne comprend pas comment faire, tu vois, il tape, il, il y va... Il tape dans l'eau, ça marche pas. quoi. Et Donc voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est. Euh, c'est euh, tout simple à lire, mais c'était très cool à lire, en fait. C'était une des œuvres que j'avais bien kiffé à l'époque et je regrettais de ne pas avoir les 36 volumes. J'aurais les 36 volumes, je, je les aurais, je les garderais avec. Euh, euh, avec plaisir, je vais les relire avec plaisir en fait. Et voilà, il va dans les cas d'entraînement, il se retrouve là, un lac gelé euh, souterrain. Et il n'y a que des, des trucs comme ça euh, dedans. À chaque fois, il tombe sur un nouveau maître et, euh, et, et, et il va voir le pays euh, euh, au fur et à mesure. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs séries de, de, de Tekken Shinmi, c'est-à-dire qu'il y a des séries, euh, à chaque fois elles sont assez longues, hein. il y a Shin Tekken Shinmi, il y a Gaiden, il y a machin. À chaque fois, ça fait 30 volumes. Et donc l'auteur, voilà, il s'est fait plaisir. À un moment, voilà, il apprend à ne faire plus qu'un avec la nature. Et donc là, voilà, il est dans une grotte de serpents. Les serpents euh, montent sur lui. Puis finalement, c'est bon. Euh, voilà Et il a, il a réussi l'épreuve. Et c'est des trucs comme ça, mais mais on l'apprend. Voilà, il s'entraîne. C'est un, un pur shonen, en fait. Hein. C'est un pur shonen de, de cette époque. Mais de manière. Il euh, n'y a pas de grand méchant. Euh, voilà, on n'est pas là pour détruire la terre et tout. C'est juste lui qui progresse. C'est très. Il euh, y a un côté. Euh, Très jouissif de le voir progresser et chaque fois c'est très inventif dans les, euh, dans, les, euh, dans les situations. Donc, Tekken Shimi, euh, voilà, j'en ai un excellent souvenir de ce manga-là et on voit, c'est très léger en termes de, de lecture, hein. c'est plein de petits humours, euh, c'est sympathique. Hop là, je passe au volume 9. Alors, je ne sais pas pourquoi l'édition française fait moins de volume que l'édition japonaise, ils avaient euh, réduit la pagination et c'est un peu dommage parce que ça. Comment ça s'appelle euh, déjà que ça marchait pas trop, je sais pas pourquoi ça leur a pris le trip. De, enfin, il y avait beaucoup de volume, pourquoi ils avaient rallongé le truc. Et je crois que ben, les 12 volumes, ça équivaut à 10 volumes en fait. C'est quelque chose comme ça. Voilà, je pense que les volumes devaient faire 200 pages passer. Euh, genre là, voilà, il a une technique, lui, euh, le vieux sou là, la technique, il met son, son, son poil super dur et, et le marin tout méchant, hop là, il va le calmer. Voilà, il va lui niquer la, le, le bras maintenant je dis que des gros mots, je vais, je vais être banni de YouTube quand je mettrai le replay. Euh, donc voilà. Euh, donc je, je sais que comme ça, ça pourrait paraître un petit peu enfantin et, et clairement ça ne sortirait jamais. Ça aujourd'hui, ça n'intéresserait personne. Euh, mais je sais pas pourquoi. Moi je j j la suite, je l'achèterai avec, avec plaisir. Et à l'époque, on était tellement dégoûtés que, que avec un pote que ce soit... Euh, que ce soit arrêté. On était tellement dégoûtés parce qu'on trouvait euh, franchement que le, le personnage, l'histoire et tout était très cool et très, très sympathique euh, que du coup, on a fait notre propre fin de, de Kenshin Mi. Et en fait, donc là, il est, il est sur un tournoi, il se bat contre ce fameux marin là, voilà, euh, ça ressemble un peu à du hein, de, de ce côté-là, à Shitanou Jyo. Voilà, il apprend des nouvelles techniques et tout, puis au moment on lui dit non mais là, mec, euh, t'as tout appris, mais regardez, il y a des planches, franchement, elles sont, elles sont très cool, hein. De, de ce côté-là. Et, euh, et en fait, au moment on lui dit Non, mais c'est bon, là, t'as tout appris, mec, euh, tu dois aller explorer le monde. Euh, c'est là, là, maintenant, ça y c'est est fini. C'est est trop petit, en fait, euh, pour toi ici. Et donc, euh, le Kung Fu inconnu, il commence à balader. Et bien sûr, très rapidement, il va tomber sur un adversaire ultra fort. Euh, et il va y demander Vous voyez, euh, il, le voit, il le voit combattre, là, avec euh, son truc. Et il le voit. Euh, Hop là, je passe un petit peu. Il a une technique où il tourne sur lui-même. Hein. Donc je pense qu'il doit vomir à chaque fois. Hein, parce que essayez de le faire. Ne le faites pas à la maison. Hein. Vous allez arroser les murs. Hein. <laughs> je vous le dis. Hein. Et donc du coup, il arrive. Il voit sa technique ultra fort et tout. Hein. Il est capable d'arrêter de des flèches et tout en tournant. Incroyable quand même. Incroyable. Il est plus fort que Sangoku. Et à la fin, ça se termine comme ça. En mode... Euh, S'il vous plaît... Euh, prenez-moi comme disciple, je suis un, un machin, voilà, je suis un disciple de machin, et prenez-moi, euh, voilà, je, je décide de vous suivre. Et là, il fait non, je refuse. Et on restait là-dessus. Imaginez la frustration des adolescents de l'époque qui ne pouvaient pas lire ça. Donc, du coup, on a fait la fin, qui s'appelle La fin de Shinmi, qui fait donc 4 pages. J'espère que vous êtes prêts pour lire cette magnifique fin avec moi. Je l'ai relu, relu il y a quelques temps. Juste la fin. Elle est incroyable. Donc, je vous remets la scène. <laughs> voilà, il est, euh, il est là, là, sur le. Euh, sur euh, dans la forêt, là. Et donc la fin de Shinmi. Donc voilà, donc, avec le petit commentaire ta fausse tête, ici. Bon, euh, attention, on avait, on avait moins de 20 ans. Hein. Attends, on avait quel âge là je sais pas quand c'est sorti celui-ci. Parce qu'on était un peu débiles quand même. 99. Donc 99, j'avais 18 ans. Voilà. Et mon pote, il devait avoir, euh, il devait avoir euh, ouais, 16 ans. Donc voilà, on était un peu débilos, bien sûr. <laughs> Alors c'est pas moi qui ai dessiné. Voilà. Arnaud, c'est pas moi qui ai dessiné. C'est mon pote qui l'a dessiné pour moi. Pour ma, il m'a dessiné, dessiné à la fin de chez parce que justement, il savait que j'étais très, 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 très déçu. Donc, je vais, je vais cacher au fur et à mesure. Donc on retrouve le personnage aussi très très bien dessiné et il marque non, je refuse. Et si vous remarquez bien, il y a les petits numéros de cases comme dans le manga, mais sauf qu'à l'époque dans ce manga, il n'y avait plus les numéros de cases. Vous voyez J'ai lu l'avait arrêté alors que dans les fly, il y avait les numéros de cases. Vous voyez les 11, 12, 13 pour expliquer à l'époque comment euh, comment le, le, le comment dire le truc est euh, pardon euh, co comment c'était fait et donc du coup c'était euh, non je refuse et il répond euh, attends mais oui, parce qu'il a fait en sens français hein. c'est oui parce que c'est en sens japonais mais les, les textes sont en sens français non vous pouvez pas refuser le kung fu est ma seule raison de vivre et là il répond je m'en bats les couilles voilà ça c'est quand même incroyable comme dialogue bon puisque c'est comme ça Hein, je vais me jeter du pont. Ouais, je vais le faire culpabiliser, hein, ce qu'il pense. Et là, du coup, on ne sait pas pourquoi. De la forêt, il y a un pont et il y a marqué je vais me jeter. L'autre, il répond je m'en fous. On continue. En bas, il y a de l'eau. Je ne me ferai pas mal. Bon, ben, à 3 j'y vais. 1, 2, 3, et il saute du pont. Et ça finit où Shinmi est mort. Il marque je suis mort. J'avais pas assez d'eau. Je m'en bats le zigarig l'autre il répond là-haut. Il s'en fout vraiment. Et là, il y a marqué, ma couille. <laughs> voilà. Voilà la fin de Shinmi. Shinmi est mort en se jetant dans un pont parce qu'il n'a pas pu être élève de mec qui vomissait en tournant. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est une fatalité Donc, euh, de, de, euh, de Mortal Kombat. C'est la même. <laughs> Cette fin est incroyable. Est... Voilà. Du coup, euh, je ne peux pas. Me... Je, je, je ne peux pas me débarrasser de cette série. C'est impossible. J'ai la fin de la série. Je m'en débarrasserai jamais. Tekken me J'ai ma fin. Vous ne l'aurez jamais. Voilà. Donc voilà. Non mais on était très débiles à 18 ans. Je, je tiens à le dire. Oui, c'est pas si mignon finalement. Hein <laughs> Donc, je peux dessiner la suite de Baki sans problème, hein, je, sans, sans souci. Euh, et pas mal fait le pont, voilà, je, je lui dirai. Donc, voilà, donc vous avez la fin de Taken Chimie. Mais franchement, c'est une, une petite série très cool à lire, pas prise de tête. Euh... Euh, voilà, et, et qui, à chaque fois, a les petits arcs euh, machin. Et euh, j'ai chopé les, les volumes japonais euh, il y a peut-être 15 ans. Et je me suis dit, un jour, je les feuilletterai. Et j'ai toujours dans un zip perdu, quelque part, sur mon ordinateur. Et j'ai tous les, les, les volumes en japonais de la série en me disant, le jour où je vais la relire, je m'enchaînerai les trucs. Et voilà. Donc, comment finir un manga en 4 pages Et attention, un manga en 4 pages avec avec la page de chapitre. Donc en 3 pages. Donc c'est énorme parce que voilà, il a pris une feuille à 4, il a plié et il m'a fait un livre. Voilà, je le, je le remercie encore. Et donc voilà, il faudrait que je... Il faudrait que je, le, que je le prenne en photo pour ne pas le perdre. Enfin, pour en avoir un souvenir numérique à vie, on ne sait jamais. Voilà, donc ça c'était Shinmi J'espère que cette petite histoire vous a plu. Ça fait longtemps que je la gardais pour vous. Hein, je, je savais, je sais que ça, ça vous fait plaisir. Eh, ah, c'est pas si mal, on est d'accord, Matoujora, on est d'accord. Bon. Voilà. Eh, si ça, ça, ça mérite un soutien pour la chaîne. Hein. Je suis désolé, mais, mais euh, là, euh, des histoires comme ça, vous en verrez nulle part ailleurs. Hein. Nulle part ailleurs. Voilà. La capsule manga, un hein, provider d'entertainment, hein, c'est moi. C'est moi. Provider d'entertainment. Euh, allez, je propose qu'on commence, euh, qu'on continue. Donc on a fait tout ça et on va continuer sur la prochaine. La prochaine qui va être du coup toujours pas les armoires. Et ouais, C'est comme ça qu'on dit chè. Euh, et donc du coup, voilà. Les ayants droit voudraient vous rendre... <laughs> Tant que c'est pas chez un éditeur qui fait du financement participatif, c'est bon. <laughs> ça crème pas. <laughs> Alors, alors, la suite. Et eh bien, la suite, ça va être un manga. Un petit manga euh, qui, euh, que j'avais adoré à l'époque et que, et que j'ai toujours. J'ai envie de la, la relire aussi depuis très longtemps. Euh, donc voilà. Non, c'est pas encore du fouria C'est pas encore. On fait l'étagère en dessous. Voilà, Zeno. Bientôt, bientôt, le Fourria Je suis pas sûr qu'on en mange ce soir hein, du Furuya parce que là, c'est déjà 22h40. C'est pas dit. Euh, alors, celui-ci c'est donc Pitch Girl. Qui a lu Pitch Girl Qui connaît Pitch Girl Donc chez Panini, enfin Génération Comics à l'époque. Hein. Regardez. Génération Comics, incroyable. Et derrière Panini Comics, 6,80€. Si vous voyez encore des prix comme ça sur les mangas, c'est fini les gars, c'est fini. L'abondance euh, est terminée. Hein. Voilà. Et bien Pitch Girl, euh, c'est un shoujo manga. Euh, et ce shojo manga, c'est un, un, euh, euh, un school life de... comment ça s'appelle C'est un school life de... Là, il y a un triangle amoureux. Okay, donc voilà, c'est un truc très classique de romance, shojo, euh, qu'on peut trouver, ou qu'on peut trouver aujourd'hui ou à l'époque. Mais la petite différence avec les autres, c'est que pour une fois, les personnages ne font pas gros bébé 12 ans euh, derrière. Et, f... et c'était des personnages qui étaient euh, adolescents. Et qui faisait euh, réaliste. Et du coup, ça m'a beaucoup plus, plus sur le parti pris graphique. Et je trouvais que l'histoire aussi était vraiment, euh, vraiment géniale. Et à l'époque, je m'étais régalé à le lire. Et, euh, et souvent, je faisais un peu un, un test avec des, des amis, c'est-à-dire que je leur passais le manga. Et le manga, euh, je leur disais ben voilà, lis-le. Oh, C'est un, un truc de nana, un euh, truc amoureux, ça ne m'intéresse pas et tout. Et je lui ai dit, écoute, lis-le, euh, lis le premier et tout. Et à la fin, c'était un mode, euh, tu pourrais me passer la suite. Et moi, j'étais là, je fais, t'as aimé Mais dit, ouais, bof, mais passe-moi la suite. ok J'ai passé la suite. Et donc du coup, après, ça revenait, t'as la suite tu, tu aimes ou pas Non, mais euh, pff, ouais, je veux bien dire la suite. Ouais, non, non, tu... Et en fait... Ils étaient pris dans le truc de l'histoire parce que c'est hyper accrocheur, Peach Girl. L'autrice arrive à chaque fois à relancer le truc et nous finir sur un cliffhanger à chaque fin de, de volume. Elle relance le truc à chaque fois et en fait, il, euh, il hype, euh, elle arrive à, à accrocher le, le, le lecteur. Et c'est ça que j'adorais dans Peach Girl c'est qu'en fait, on se laisse embarquer par l'histoire et, euh, et derrière, par les situations des, des personnages. Et pourquoi Parce que justement, il y a des personnages assez particuliers et c'est ça qui marche très bien dans Peach Girl. Bien sûr, comme. Toute série, ça traîne un peu en longueur, c'est-à-dire que ça fait 18 volumes. Et j'avoue que, bon, voilà, passer le volume 12-13, ça commence à s'essouffler. Euh, passer le 15, euh, voilà, les trois derniers volumes, c'est un peu long, de ce que j'ai de, de mémoire. Mais, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Et l'histoire, c'est l'histoire de Momo, qui veut dire pêche en, en, en japonais. Et en fait, Momo, elle a la peau... Euh, voilà elle a la peau bronzée par défaut. Et il faut savoir qu'au Japon, euh, les nanas qui se bronzent la peau, c'est les kogalou. Et ce qu'il y a, c'est que les kogalou sont euh, très souvent euh, associés à... Euh, c'est des nanas c'est très maquillé, tout ça. Mais ils sont aussi associés à de la prostitution, en tout cas à l'époque de, de, de ce manga. Et, euh, et donc, bah, comme elle a la peau naturellement bronzée, on l'associe à une kogalou, euh, alors qu'elle, elle, euh, elle est clean, quoi, je veux dire, elle ne fait pas de prostitution, elle ne fait pas tout ça. Et à côté, euh, elle est... Ami avec Sae, euh, mais c'est l'ami insupportable, c'est-à-dire que c'est l'ami qui a la peau blanche, qui fait, euh, qui fait rêver euh, à fond. Merci pour le suivi. Euh, euh, oula, j'ai plus ton pseudo, il est passé où euh, Ah, mais il y en a deux qui m'ont suivi, d'un coup là, là, Konomi et Naughty World, merci pour votre suivi. Et, euh, et donc du coup, Sae, et Sae, en fait, c'est une véritable peste. Et euh, et donc du coup cette cette saïe en fait elle 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 se sert de Momo pour se valoriser en gros et donc chaque fois que euh, voilà par exemple là elle avait trouvé un sac et genre le sac qu'elle a acheté dans le dos de Momo euh, et en fait ben, elle est amie avec mais euh, elle lui fait des coups de pute euh, tout le temps dans le dos et bien sûr elle va elle a amoureux, amoureux amoureuse d'un mec qui euh, la capte pas et un autre mec euh, que, qui, que qui, euh, qui a pas amoureux, mais qui cherche Momo en gros, euh, et Momo elle s'en tape. Donc d'où le triangle amoureux, et ça est qui va essayer de leur piquer, euh, leur piquer les mecs ou foutre euh, le gros bordel dans, dans cette relation. Et bien sûr, Sae va lui jouer des, vraiment des mauvais tours euh, et tout. Euh, genre, moi, le, le tour le, qui m'avait marqué, c'était un moment, euh, elle l'enferme euh, avec un gros pervers euh, parce qu'elle lui a, euh, a vendu son corps euh, à l'insu de son plein gré. Quoi. Voilà, ce genre de, genre de copine euh, très toxique. Hein. On, euh, voilà, la toxicité est à son maximum avec Sae. Mais je trouve que euh, Peach Girl, en fait, marche super bien. Euh, bien sûr, voilà, c'est une romance, il y a des trucs amoureux et tout, et, euh, et ça marche très bien. Euh, bien sûr, quand il faut s'avouer les sentiments, ça ne savoue pas. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui va perturber ce moment-là et compagnie. Hein. Ça reste assez classique dans le déroulement. Mais ça marche. Euh, Momo, elle est ultra touchante. Elle était, elle est, elle est, elle est toute mignonne. Elle est très gênée en fait. Euh, voilà, on voit qu'elle est, euh, est très douce et tout. Enfin, moi, en tout cas, ça avait, été, ça avait été un coup de cœur à l'époque. J'avais adoré euh, Peace Girl. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de vous dire, oh mon dieu. C'est toujours aussi génial et il faut absolument le lire et tout. Mais euh, j'en ai un très très bon souvenir euh, de, de la série. Et, euh, et c'est pareil, c'est une série, j'ai envie, de, euh, envie de, la, de la relire. Oh elle comme elle est mignonne. Et toute nuit. Euh, donc voilà, Sa Majesté. <laughs> et voilà, donc il arrive beaucoup, beaucoup de situations euh, aux nos protagonistes. Et voilà, ça c'est le 14 par exemple. Ça évolue énormément. Euh, en termes de... Euh, voilà, à savoir, voilà, parce qu'après, le travail l'été, les trucs comme ça, enfin, ça sort de l'école aussi, euh, derrière. Donc, voilà, moi, Pigard, je peux... Je peux euh, si vous cherchez nos romances de l'époque qui avaient cartonné, euh, en tout cas, moi, qui m'avait marqué, qui était sorti des autres trucs de shojo de romances, parce que j'en avais lu beaucoup à l'époque, hein, j'avais vraiment tenté beaucoup de choses, mais Peach girl c'est un des rares que j'ai gardé, parce que ça m'avait euh, très fortement marqué positivement. Et il faut savoir que l'autrice avait essayé de relancer sa série, parce que quand on a un gros succès on essaye de surfer dessus, avec Hula Peach Girl. Et cette fois, en fait, c'est en trois volumes, et ça va se focaliser sur Sae, la copine. Et il faut savoir que je n'ai jamais lu cette suite, parce que je me suis dit, bah, je la lirai le jour où, où euh, je lirai Peach Girl. Donc je ne peux pas vous en parler, parce que je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, ça fait partie de ces trucs, je, je lirai le jour où je lirai Peach Girl, j'enchaînerai là-dessus. Euh, des retours que j'ai eu c'est pas fou, hein. c'est pas fou, c'est dispensable, comme toutes les suites. Et je pense qu'elle a voulu capitaliser sur ce personnage parce que ça elle est quand même un sacré personnage euh, très fort. Les deux, tous les personnages qu'elle a créés, l'autrice sont, sont très forts. Les mecs, à la limite, sont un peu nazes, quoi. ils sont un peu plats, mais les deux nanas, là, elles sont, sont vraiment euh, super. Et voilà. Alors, par contre, le livre, il est défoncé. Je, voilà, vous voyez, euh, le tas du livre. Voilà, il, y a, il est défoncé, il y a des pages qui s'enlèvent. Euh, donc voilà, mais c'est pas grave, euh, je le lirai euh, comme ça donc voilà donc du coup euh, vous pouvez euh, vous pouvez tenter euh, potentiellement Peace Girl mais je crois ne sais même plus si c'est disponible hein, ce truc hein, maintenant. et euh, je ne crois pas que c'est sorti en numérique euh. je sais qu'à un moment Panini avait ressorti avec un, un côté euh, doré ou brillant mais, euh, et, en, et en librairie un truc comme ça mais ils n'avaient jamais suivi euh, jusqu'au bout je pense que les ventes n'avaient pas dû être assez euh, assez importantes je regarde Peach Girl. En tout cas, voilà, moi, j'étais à fond sur la série à l'époque. J'avais vraiment adoré, euh, adoré la série, et c'est pour ça que là, je vous en parle. Non, je, je vois qu'elle n'est pas référencée sur euh, Manga News. Euh, donc voilà, donc euh, bonne série. Moi, je suis très content de, 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 les avoir, de toujours les avoir, et je les relirai avec plaisir, même si, euh, même si euh, ça a dû quand même un peu vieillir aujourd'hui et que. Et je risque de, 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 de saturer un peu plus vers la fin, mais je ne sais pas. J'aimais bien ce côté. Euh, euh, J'adorais la couverture, la première couverture par exemple, euh, celle-là avec la, la, les, les fruits et la pêche. C'est ça qui m'avait attiré à l'époque. Je ne sais pas. Je trouvais qu'elle était, elle était particulière, elle était, elle était spéciale. Et je ne sais pas. Ça me... et quand je l'ai ouvert, et que j'ai vu les, les, que les personnages étaient euh, adultes entre guillemets, enfin ados, euh, des vrais ados avec des, qui ressemblent à des voilà, il pas des gamins de 14 ans. J'ai fait, putain, c'est génial. Pour une fois que ça change. Donc voilà, Bigger. Je sais pas s'il y en a qui sont tentés par cette, cette série. C'est mon côté kawaii qui ressort, je suis désolé. Je vais vous faire une petite icône Julien Kawaii. <laughs> Comme ça. Ça pourrait être rigolo. Euh, alors, la suite je sais pas si c'est ça, parce que la pigeur, là, vous ne commentez pas, c'est bon, ça ne vous intéresse pas, j'ai compris. Hein, vous voulez juste du lézard noir, vous venez que pour du lézard noir. Je, je pense que je vais la, la décaler d'une étagère plus haut encore. Voilà. Ou, euh, ou pas la faire. Je ne sais pas. On, on verra. On verra euh, quoi, quoi, comment c'est. Euh, alors, la suite, qu'est-ce qu'on a À Miss Snowblood. Alors, Orange, moi, personnellement, j'ai détesté Orange. Voilà. J'ai détesté Orange. J'étais très, très, très déçu. J'avais fait, à l'époque, un tweet, quand je l'avais lu, euh, de ma déception d'Orange, euh, parce que euh, je trouvais que... Euh, comment dire Je trouvais que ça... Hum, C'est très lent. Très lent. Les relations entre les personnages et tout, c'était très, très lent. Euh, un bisou, il faut trois volumes, là, ça m'avait un peu gavé. Et le, le coût de la lettre euh, du futur tout ça qui n'était pas spécialement euh, pff, euh, vraiment expliqué bah, à la limite l'explication c'est pas grave mais je sais pas je trouve ça un peu un peu nul mais le pire c'est que les couvertures sont magnifiques et Matsumoto la ville n'existe pas en fait ils sont tout le temps à l'école les décors sont blancs sont vides euh, moi l'histoire m'a pas passionné euh, rien du tout euh, j'ai pas trouvé ça du tout touchant et contrairement à Kamakura, Kamakura Diariz, où là la ville est un personnage, j'ai fait ah ouais non ça n'a rien à voir, juste rien à voir dans euh, entre les deux. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai jamais aimé euh, ai jamais aimé euh, Orange en fait. Donc voilà, j'ai lu 5 volumes, j'ai pas lu le 6 et le 7, mais ça sera sans moi. J ai, j ai, voilà, sans plus. Et effectivement, Pissamaer, c'est un manga que je dois relire. J'ai une amie qui les a. Et il faut que je lui vole, mais comme ça fait 20 volumes, et à l'époque je l'avais lu, et j'avais pas accroché au truc de relire la même histoire, euh, relire la même histoire, mais d'un point de vue différent, alors qu'aujourd'hui, je pense que j'aimerais beaucoup plus relire ça. Donc voilà. Et donc ouais, le côté SF, ouais, j'avais pas, voilà, j'avais pas accroché non plus. Alors un autre manga, on va, on va en parler rapidement, parce que j'en ai parlé déjà en live. Euh, et c'est ressorti récemment. Euh, c'est Sarami Princesse de l'Enfer, où euh, c'est un petit manga humoristique. Moi, j'avais la version euh, Bunko, là de chez Kanko, où euh, c'est un manga humoristique où tu as euh, justement Sarami qui s'ennuie en enfer et qui décide d'aller faire sa vie sur terre. Et, euh, et donc, elle va rencontrer des personnages un peu bizarres, un peu chelous. Et euh, du coup. Euh, euh, du coup, ça va donner des situations loufoques où elle va devoir essayer un, un petit peu de, de s'en sortir et d'être autonome sur Terre. Euh, donc, sur la base, le manga, sur le papier, et on se dit, bon, bah, gros délire, ça va être, ça va être super euh, et tout. Et euh, le rendu final, moi, perso, je n'ai pas du tout accroché à l'humour. Euh, pourquoi Parce que c'est que des petites scénettes qui, euh, qui n'évoluent pas. Un moment, il y a une vraie évolution, il y a même un moment un petit peu touchant, et l'auteur, euh, ben, finalement, euh, fait un peu marche arrière et s'arrête. Et euh, alors, je sais que j'ai des amis qui ont, qui ont rigolé dessus, parce que l'humour un peu absurde comme ça, elles adorent. Moi, je suis pas très sensible à ce genre d'humour, et je me suis un peu fait chier en le lisant, clairement. Et donc là, ça, c'est le genre de truc... Euh, euh, comment dire le voilà j'ai pas accroché je vous l'avais dit en live hein, quand c'était ressorti moi j'avais pas accroché du tout sur le sur l'œuvre je l'ai pas euh, je pas vendu parce que j'aimerais la relire j'aimerais lui laisser une seconde chance peut-être que je suis passé à côté j'ai pas saisi l'humour euh, peut-être que je cherchais trop à avoir euh, une histoire alors qu'en fait il faut plus le prendre euh, des petites situations euh, cocasses euh, à la suite euh, donc voilà donc si toi ben, justement si tu l'as à tout la nouvelle édition tu nous tu nous diras ce que en as pensé euh, parce que c'est voilà, j'aime bien avoir des avis différents personnellement moi j'ai pas accroché donc du coup euh, du coup je peux pas vous le recommander particulièrement en tout cas par rapport à mes goûts euh, voilà aussi bien voilà. si vous aimez l'humour absurde je pense que vous aimerez plus euh, euh, Sarami. donc voilà pour ça Sarami, princesse des enfers donc je, je tiens je dure pas plus parce que voilà j'en avais un peu parlé de mémoire je ne crois pas l'avoir critiqué je ne me' rappelle plus. Euh, où je l'avais critiqué sur Twitter il y a longtemps, ou sur Insta, peut-être sur Insta. J'avais dû le faire. Bon, je ne vais pas le chercher parce que euh, c'est un peu long à chaque fois. Euh, mais voilà, ça c'était euh, euh, pour ça. Après, il y a une autre série qui est, qui est très cool. C'est celle-ci. C'est What Michael. Qui l'a lu, What Michael C'est en 4 volumes. Alors vous savez, je ne suis pas très fan des séries sur les chats. Ce n'est pas mon kiff absolu. Mais What Michael est un petit peu différent des autres. Donc ça avait été édité il y a très longtemps en deux volumes et finalement ça a été réédité en, en quatre. Euh, enfin c'était... Il n'y a eu que les deux premiers édités, pardon, et après ça a été réédité intégralement euh, par Glénat, avec les nouvelles couvertures et tout ça. Et j'en avais déjà parlé en live ah, tu parles, Je pense que tu parles de. <coughs> euh, je pense que tu parleras, Tu parles de, de Sarami, hein Arnaud. Euh, donc du coup, What Michael, le, le c'est en gros, c'est vraiment des situations, il y a plein de petites histoires, et c'est Michael en fait, le, le chat qui danse, hein, c'est même sous-titré, et euh, deux mémoires, c'est quoi ça Oui, ouais, il y a tout ça, 43 histoires, donc c'est vraiment des toutes petites histoires à chaque fois, et on va suivre le, ce chat un petit peu, euh, il parle pas, hein, mais euh, ce chat un petit peu loufoque, comique. Euh, euh, ok, What Michael, ok. Ah, j'avais parlé, tu vois, j'avais oublié. J'avais oublié. Euh, un peu comique et tout avec ce personnage là un peu euh, parodie de Golda donc c'est une série comique hein, c'est que des gags et tout ça ah oui <laughs> c'est que des gags et direct une danse à la poêle euh, voilà et à chaque fois qu'on sait pas trop euh, il sait pas trop comment finir il danse euh, on peut accrocher ou pas à l'humour moi il y a des blagues euh, voilà moi je pas place ça cet humour absurde moi j'accroche moins mais il y avait des situations qui étaient qui étaient très drôles de... J'en ai un beau souvenir de What Michael, mais c'est le truc à lire aux toilettes en fait. Hein. What Michael, il ne faut pas le lire euh, à la suite, sinon on sature il faut vraiment le lire petit à petit. Et c'est un auteur qui connaît très bien les chats, hein, qui connaît très bien euh, comment ça fonctionne, comment euh, ils réagissent et tout. Donc ceux qui aiment les chats et qui veulent passer un petit moment avec un, un, un manga qui est très décalé euh, par son approche et son aspect, euh, voilà, c'est euh, What Michael. On n'est pas sur le, ce qui était sorti au Les Armoires, euh, où c'était là ultra perché, et on n'est pas dans les trucs tout mimi euh, qui peuvent sortir chez les autres éditeurs. Là, on a vraiment euh, un truc comique, un peu absurde, et avec des personnages totalement, totalement débiles. Et même des fois, voilà, il joue des, des personnages, il joue des fois des trucs de samouraï. Voilà, là, par exemple, il est, il est euh, en train de faire du baseball, etc. Et franchement, c'était cool, c'est cool. Euh, What Michael, c'est une petite série que j'ai gardée, j'avais passé un bon moment. Et il faut, euh, et il faut en, en profiter. Quoi. Salut à toi, Asclou, bienvenue. Et euh, merci pour le follow. Euh, voilà. Et avec des personnages, alors ce Yakuza par exemple, le Yakuza qui lui a peur des chats, donc chaque fois qu'il a un chat, il se cache. Et, euh, et donc du coup, là, c'est assez rigolo parce qu'il y, y a pas mal de personnages qui viennent de manière très, euh, très récurrente. Euh, voilà, donc euh, si vous aimez ça, je vous conseille, de, je vous conseille de, de passer le pas et je vous conseille de d'essayer de, de, le premier volume. Je pense que ça doit être toujours être trouvable, ça. Hein. J'ai pas regardé, hein, je vous j'ai pas regardé. Voilà, il joue au Mahjong avec des chiens et en fait, il, il arrive à les, à les piéger parce que euh, il, il est content, il balle la queue. Donc voilà. Euh, donc, c'est des petites blagues comme ça, très simples, donc 4 volumes. Très cool. Bon, je ne peux pas vous dire plus, après il faut le lire, mais lisez-le doucement. Hein, euh, voilà. Une petite histoire par jour ou deux, pas plus, euh, et c'est réglé. Euh, Tiens ton chat, je profite de ça pour lui, euh, pour lui annoncer. Parfait. <laughs> donc voilà. Euh, donc voilà pour What Michael. Il euh, y a un autre manga de l'auteur qu'on va parler juste après, mais euh, j'ai sorti euh, juste avant celui-ci. Euh, quoi qu'attend, on va, on va faire l'autre comme ça. Autant parler du même auteur j'espère que vous êtes prêts pour le ban parce que je vais parler de Stairway to Heaven une série qui est sortie chez Pika Senpai euh, la collection qui se voulait un petit peu plus adulte et mature euh, voilà, donc je pense que c'est là-dedans qu était sorti euh, peut-être Setup Love Story les choses comme ça et en fait, Stairway to Even, c'est du même auteur Makoto euh, Kubayashi donc c'est du même auteur et euh, c'est l'histoire, alors là par contre c'est des boubs des boubs, des boubs, des boubs hein. euh, et donc c'est l'histoire d'une euh, d'une d'une nonne qui en fait n'a jamais connu l'amour, le sexe et compagnie et euh, en gros quand elle arrive au paradis on lui dit bah c'est bien hein, t'as été parfaite sauf que bah, ça va pas, donc tu vas retourner euh, dans un pays particulier et, euh, et en fait euh, hop là, voilà, n'a pas reçu assez d'amour inapte et donc, du coup, ben, on lui dit ben, il va falloir que tu connaisses l'amour. Euh, et donc, l'amour et, euh, et, euh, et le sexe et tout ça. Donc, le verdict voilà, tu es condamné à euh, chichon manchi. <laughs> et là, hop, on la balance dans le truc. Elle rajeunit, elle perd son dentier et compagnie. Magnifique corps euh, de déesse. Euh, voilà. Et euh, du coup, elle se retrouve dans un monde où il n'y a. Alors, ben, bien sûr, il n'y a pas de nana et compagnie. Il n'y a. Tout est en forme de tube. Tout, 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 tout tout et tout. Mais oui Boris. Mais c'est comme ça sur la capsule manga en fait. Je, je surprends, vous voyez Vous voulez sauter chez les arnoirs direct. Mais j'ai encore des surprises. J'ai encore des surprises. Ah, ça marche pas la mise en avant là. Putain, fais chier. Ah, tu regrettes d'avoir vendu la, la, la série. Euh. Ah, c'est dommage, oui. Bon, c'est pas grave, ça marchera tout à l'heure. Il y a des fois, il, il bug le logiciel. Donc voilà, c'est Donc, que ça. Et à chaque fois, voilà, il y a des bouches, il y a des machins. C'est érotique hein, seulement. On ne hein, voit rien. Mais voilà, à chaque fois, il y a des scènes incroyables. J'ai tellement peur de me faire ban. <laughs> si disparaît, les gars, vous me le dites. Hein. <laughs> Parce que je vais être tout seul à parler là. <laughs> alors voilà donc elle rencontre des nanas à un moment je sais plus elle est dans une maison mais à chaque fois qu'elle ouvre regardez il y a des pélicans en forme de avec des trucs de tub et tout c'est incroyable à un moment elle rencontre un mec euh, euh, voilà. et jusqu'à découvrir bien sûr l'amour au moment où elle va le découvrir hein. à un moment elle est dans une maison elle rentre dans une maison et euh, un ours qui baise avec une nana c'est n'importe quoi euh, et donc, du coup, moment, même les chaises et tout, attendez, j'essaie de trouver, mais même les chaises et tout, elles sont, tout est, même le mobilier ont des tubs et tout, c'est n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment n'importe quoi. C'est tu. <laughs> Merci, Matojura. <laughs> donc voilà, c'est donc n'importe quoi ce manga. Franchement, c'est de drôle à lire. Le seul défaut. Euh, c'est un peu long, parce que c'est des volumes doubles. Je crois que ça fait 400 pages. Hein. C'est ça, ouais, 350, ouais, 360, donc c'est quasiment des volumes doubles. C'est un peu long, c'est-à-dire que deux volumes suffisaient, et au bout, au bout d'un moment, bah, c'est quand même ultra répétitif. Et euh, c'est vrai que, voilà, c'est rigolo, mais est, il a un peu abusé euh, pour ça, quoi. Voilà. Euh, merci Boris, euh, les abonnements, c'est cadeau. Euh. <laughs> Je sais pas si ça remarche là. Hop, je regarde. Ah, ça y est, là, ça remarche. Non, il y a certains commentaires, des fois, ça ne veut pas. quoi. Euh, je crois qu'elle était morte de sans connaître euh, le... <laughs> le plaisir du Scrabble. <laughs> j'achète, Mato Jora, j'achète. <laughs> voilà. Ouais, des fois, je sais pas pourquoi le logiciel ne veut pas mettre des, des, des messages en avant. Bon, sachez que j'essaye, mais. Voilà, je crois que c'est cette maison là. Euh. Le poulpe, voilà. Mais regardez, regardez, les animaux, quoi. Regardez les animaux. Les lapins avec deux tubs C'est incroyable. Euh, donc voilà. Donc ça, et puis j'aime bien c'est que les, les, les personnages féminins euh, sont... Ah ben là, on est en train de refaire, le, en train de refaire Okusai. Ce euh, ne sont, sont pas des, des personnages euh, hyper filiformes, en fait. C'est des nanas qui ont euh, des, des corps... Euh, euh, normaux, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est des corps, euh, c'est pas des trucs euh, comme ça, hyper hyper fins. Et euh, elles ont des, des corps euh, bien en chair et c'est cool, en fait. C'est cool d'avoir justement des, ces, ces nanas qui ne sont pas juste euh, hyper, hyper dans les canons euh, habituels. Voilà. Et bien voilà, je suis ban. <laughs> bon ben bah écoutez, je vais arrêter là, je suis tout seul. Ça y est, tout le monde est parti. Donc du coup, je me suis fait ban pour les, les trucs. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je l'uploaderai sur YouTube, on verra ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, la soirée finira plus tôt. Hein, je sais que celle-ci n'est pas passée alors que j'ai montré des trucs beaucoup plus hardcore. Euh, mais écoutez, merci en tout cas d'avoir tous été là. Euh, on se verra la prochaine fois. Là, je suis ban pour 7 jours. Donc on verra ça un peu plus tard. Merci bien, à plus <laughs>